Bonjour, garde du Nord. Excuse-moi, je veux te parler une minute. Qui êtes-vous? On se connaît? Le prince de Dubaï. Prince de quoi? Le prince de Dubaï, Charles, tu ne le connais plus. C'est moi, ne fais pas ça. Ah, me touche pas, t'es malade. Mais non, Sharon. N'importe quoi. Oui, mon cœur. Es-tu sûr que tu m'aimes vraiment, malgré ma condition? Oui, bébé. Oui, je t'aime sincèrement, de tout mon cœur. Peu importe ta condition. Rappelle-toi, c'est pour le meilleur et le pire. Tu es sûr? Oui, bébé, je suis très sûre. Quoi? Bébé, arrête. Je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu mijotes encore? C'est bon. Vas-y, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors viens avec moi. Mais tout d'abord, tu dois fermer les yeux. Et s'il te plaît, promets-moi que tu ne vas pas les ouvrir jusqu'à ce que je te demande de le faire. C'est autant sérieux? Ok, mes yeux sont déjà fermés. Ferme tes yeux, tu ne vas pas les ouvrir? Je ferme mes yeux. Alors viens avec moi. Dans ce cas, tu devras me conduire. Oui. Garde les yeux fermés, ne les ouvre pas. Nous sommes proches. Très bien, place-toi ici. Maintenant, nous sommes arrivés. Ok, bébé. Ah. Qu'est-ce que c'est? Mes amis. Ah! Ok. Ma colocole. Vous êtes là? Ok. Ouvre maintenant le cadeau que je t'ai apporté. S'il te plaît, peux-tu m'épouser? Dis oui! Dis oui! Dis oui! Dis oui! Oui, bébé!
Sharon, je t'aime. Les filles, qu'est-ce qu'ils sont? Je crois que ça vient de la cuisine. Les filles, bienvenue. Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a laissé ce qu'elle cuisinait au feu et tout est brûlé. Que loc! À qui est-ce que tu parlais au point de laisser la nourriture brûler? Vraiment? Oui! Tu dis que tout a brûlé? Tout est complètement brûlé. C'est allé très vite. C'était lent. À qui est-ce que tu parlais au point de laisser la nourriture brûler? J'étais en train de chatter avec mon prince charmant. Oh. Et oui, mais ça c'est pas un problème les filles. Non, ça c'est pas un problème. Voilà, il est toujours en ligne. Écoutez, je vous fais sortir ce soir les filles, oui. Toutes les factures, c'est moi. J'aime bien ce que je suis en train d'entendre. Est-ce qu'ils t'ont envoyé de l'argent? Attends. Dis-moi, c'est combien? J'espère qu'il y a ma part. Regarde-toi. Tu n'as rien dans l'argent. Je dis, tu n'as aucune part. Oui, rien du tout. Oui, coloc. Il a dit que je te donne 20 000 naira. Je ne suis pas d'accord. L'œil qui a vu doit être rincé. Dieu merci, t'as rien vu. Parce que l'argent est encore dans mon compte. T'as juste entendu. Pour ton information. Coloc, oui, t'auras l'argent. 20 000 juste pour moi. Mais, Coloc, qui est cette personne qui nous envoie de l'argent sans même nous avoir vus? Allez, ce n'est pas ce qui est important ici. La chose la plus importante est qu'il envoie l'argent. Et nous allons aller nous amuser. Marcus, tu parles comme si j'avais vu cette personne. Bien, je suis contente que vous souriez. Alors vous deux, apprêtez-vous, ok? Il m'attend encore en ligne. J'aime pas le faire attendre. Nous allons nous amuser. Si vous voulez bien me rendre belle. Oui, allez-y, je vais aller s'amuser. True love is unconditional.
Est-ce que je vais pouvoir me rétablir avant de rentrer au Nigeria? Est-ce qu'ils pourront m'accepter comme je suis? Ou devrais-je lui dire la vérité sur ma condition et savoir si elle va toujours m'aimer? Mais je prends mon traitement et je suis en train de récupérer. Alors je vais espérer que j'irai mieux en ce moment. Mais ce processus de guérison est trop long. J'espère ne pas la perdre. Je l'aime tellement. Ne triche pas. Tu sais que je suis la meilleure dans ce jeu. Je suis la meilleure. Ah, ah, calme-toi. Je vais te donner une leçon, hein. Je ne vais pas m'oublier. Allez, jour. Les filles. Hey. La sexe que le... la plus belle de la ville. Mm-hmm. Volume. Oui, ne tarissez pas d'éloges. Il y a quelque chose pour vous. Ne prête pas attention à elle. Vas-y, continue. Ma sexy gueule, celle qui a encore à tomber. Ah, hey, donne-moi la nouvelle, c'est quoi, non? Ok, j'ai une surprise pour toi. Oh, j'adore les un surprises. Un cadeau de mon prince charmant. Il l'a envoyé pour toi. Ah. Meuf, qu'est-ce que tu veux? Est-ce ta coloc? Sharon, mais je suis ton amie. Parle aussi de moi à ce gars. Là, il m'enverra aussi des choses. Excuse-moi, comme ça. Mais qui parle? Tu veux te servir de tonton pour me le piquer? Allez, calme-toi, copine. N'ose même pas. Mais va dans ta chambre parce que... Vas-y, vas-y, vas-y dans ta chambre. Sharon. Enfin, appelle-je du jour. Allô, mon amour. Salut, bébé. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Ok, bébé, je voulais juste te remercier pour les différents cadeaux. J'apprécie vraiment. Oui, tu sais, t'es le meilleur. Oui, t'es le meilleur. Elle est là. Ok, laisse-moi lui dire bonjour. Ok, je lui passe le téléphone. Ah. Salut, notre prince charmant. Bonjour, Dina. Comment vas-tu?
Je vais bien. Bien. Merci de t'occuper de mon amour. Oui. Merci énormément pour le cadeau. Je l'aime beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse. Merci, ça me fait plaisir. Ne t'en fais pas, je vais t'envoyer quelque chose là-bas. Je vais te récompenser, ok? Oui. Ok, je vais remettre le téléphone à ton amour. Bien. Ok, prends soin de toi. Hein. Oui, oui, vas-y, donne-lui. Mon amour? Mon amour. Ma seule et unique. Mon sucre d'or. tu me manques aussi, mon cœur. Ne t'en fais pas, je vais vous envoyer quelque chose, d'accord? Je vais vous envoyer quelque chose. Ouais, je vais bien. Ouais, je suis à la maison. Ok, je... En fait, je... La chambre est poussiéreuse, alors j'ai dû me protéger. Oui. Mais je vais sortir maintenant. Ok, je t'aime aussi. Ciao, ciao. Sais-tu que tu es très chanceuse d'avoir trouvé Prince dans ta vie? Très, très chanceuse. Gina, t'as dit cela un million de fois. Je sais que je suis chanceuse, ok? Écoute, laisse-moi le dire. Si je veux, je vais le dire tous les jours. Juste pour te dire, de bien le tenir. Quand je dis le tenir, tiens-le très fort. Ne le laisse pas partir. Pour ton information, je ne suis pas prête à quitter mon prince charmant. Donc ne crains rien, ma chère amie. Ça, c'est ma calope. J'aime bien ça, ma calope. Oui. Je te fais confiance. C'est comme ça que ça se passe. Mais Golok, allons-y, n'es-tu pas fatiguée? Nous sommes assez reposés, j'ai allons-y. J'ai marché, laisse-moi me reposer. Allons-y, s'il te plaît, je ne sais pas ce qui me pique okay, ici. Ok, on va dans l'autre cantine, je veux manger, je veux manger. Pourquoi est-ce que tu pleures? J'ai beaucoup de choses qui taraudent mon esprit. Je suis inquiet par rapport à ma relation. Pourquoi es-tu inquiet à propos de ta relation? Tu sais que j'aime beaucoup Sharon. Oui, je sais. Je ne veux pas la perdre. Tu ne vas pas la perdre. Écoute-moi. Je veux que tu sois très reconnaissant. Je sais que tu es venu à Dubaï te chercher et ceci t'est arrivé. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas la première personne à être électrocutée dans cette entreprise. Je connais beaucoup d'autres personnes qui ont été électrocutées dans cette entreprise. 500 mortes et 400 handicapées. Mais te voici, mon cher frère. Je me souviens quand tu arrivais à peine à parler et on ne pouvait même pas t'entendre. Mais maintenant, je peux entendre mon frère parler. Tu peux marcher et tu peux manger. Alors, s'il te plaît, s'il s'agit de Sharon, s'il te plaît, quand tu arriveras sur ce pont, je suis sûre que tu vas le traverser. Alors, saisis-toi. Tu sais quoi? Je sortais en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas ensemble pour nous amuser un peu? Comme ça, tu pourras te détendre aussi, s'il te plaît. Ok? Ok. Alors, allons-y. C'est bon là. Merci. Voilà. Bon, bye bye. Maman, tu peux partir, merci. Maman, je suis rentrée. Je suis là, maman. Maman, je suis rentrée. Mais t'es où?
Maman! Mais qui est-ce? C'est moi, ta fille. Hey, wow! Ma très chère fille. Maman? Hey. Oui, maman. Sois la bienvenue. Merci, maman. Tu es ravissante. Regarde. Merci. Hey. Maman. Non. Oh, t'es pas mal, toi, non plus. Allons, allez, allons, allez. Ok, maman. Comment était ton voyage? Dis, maman. Tiens. Non. Oh. Hey. Sharon est très, très chanceuse. Tu peux le redire. Ah. Tu sais, ce prince nous envoie des cadeaux et de l'argent. Y compris moi. Moi, sa coloc, elle n'a jamais vu. Il m'envoie de l'argent, des cadeaux, tout ce qu'elle veut. Elle obtient. Waouh. Mes soeurs, Sharon est chanceuse. Ah, et tu connais Sharon. Elle n'est pas du genre à garder un âme. Mais tu vois celui-ci. Elle le prend très au sérieux. De toute façon, pourquoi ne prendrait-elle pas ce mec au sérieux? Quelqu'un qui t'envoie des cadeaux et de l'argent? Mais laisse-moi te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu sûre que Sharon aime vraiment ce gars? Mais c'est quoi ce genre de question? Je sais pourquoi je te demande. Juste au cas où. Juste au cas où. Au cas où quoi? Elle n'est pas vraiment intéressée par ce gars. Ja, elle n'aime pas vraiment ce gars. Dis-lui que je suis disponible. Ja, tu as une amie qui est disponible et prête à... Qu'est-ce que tu racontes? Allez, dégage ici. C'est Sharon tonton. Calme-toi. Disponible. Disponible pour quoi? Dégage. Juste au cas où. Ne rêve même pas. Juste au cas où. Sharon va te blesser. Allez, allons-y. Jean, qu'en est-il de ton copain? Ah, petite amie. Je n'ai pas de copain. Je ne veux pas en avoir jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Ah, Jane! Quoi? Jane! Ah, ah, Ify. Ah, j'étais comment en fait en train de partir chez toi. Oh. Ok, allons-y. Devine alors. Quoi? Ify, qu'est-ce qu'il y a? Mais devine. Je ne peux pas deviner. Sharon est en ville. C'est un mensonge. Oh. Copine, tu dois voir Sharon. Elle est tellement ravissante. Genre, elle a vraiment réussi. Réussi? Ma chère, n'as-tu pas entendu que Sharon sort avec l'un des plus grands garçons de Dubaï? Pas seulement un garçon, mais Sharon sort avec un prince milliardaire de Dubaï. Un prince milliardaire de Dubaï? Un prince milliardaire de Dubaï. Ah, ah. Wow! Mais elle oui. est vraiment chanceuse. Vraiment chanceuse. Seigneur Kao. Ne t'en fais pas, Dieu le fera pour toi. Ok, à plus tard. Mais allons-y. C'était le message que j'avais à te faire passer. Ah, ne t'en fais pas, je veux prendre quelque chose. Oh. Tu sais bien, non? D'accord, d'accord, bye. Au revoir. Tu n'as pas de la chance. Eh, eh, non quoi, Momo? Bien, mais tu veux dire que ce prince a acheté toutes ces choses pour moi? Oui, maman. Aïe. Il est le genre d'homme que tu priais que je rencontre. Et finalement, Dieu a exaucé nos prières. Exact. Dieu a entendu nos prières, ma fille. Hey, je suis ravie que tu aies maintenant quelqu'un comme ce prince. Pas ce garçon affamé et mal nourri que tu as amené il y a quelque temps. Maman, Ikem n'est pas affamé. C'est juste qu'il... Ne le défends pas. Il est affamé. Ikem ne m'avait jamais rien donné. Il n'avait jamais rien acheté pour moi. Mais c'est vrai, je n'ai jamais rien reçu. Mais écoute, je suis contente que tu aies quelqu'un comme ce prince. Tiens-le très bien. Ne le lâche pas. À quoi non de l'ago. Je ne veux pas entendre des histoires. En fait, Okujana Foyinama, Okujana Fonamo, je veux parler avec lui. Maman, je peux pas. Pourquoi? Ça coûte très cher pour appeler là-bas. En cause juste par appel WhatsApp. Et tu sais que nous n'avons pas Internet ici au village. Notre réseau est très bas, c'est pas fort. Mais t'inquiète, avant que la nuit ne tombe, il va sûrement appeler pour prendre mes nouvelles. Savoir si je suis arrivée au village, c'est ni sauve. Ok, si c'est donc le cas. Alors, quand il va appeler, hein, tu me donnes le téléphone. Pourquoi je lui parle? Pas de problème, tu vas lui parler. Hey! Merci. Je vais retourner en ville avec celui-ci. Tu vas aussi m'aider à le découper. Hey! Non, ce soleil est si fort. Qu'est-ce qu'il y a dans ce village? Ah, mon prince charmant m'appelle. Ah!
Salut, mon prince charmant. Je vais bien, bébé. Je suis arrivée ici hier au village dans l'après-midi. Maman va bien. Elle voulait te parler. Ok. Maman! Attends. Maman! Oui, ma fille. S'il te plaît. Ah. Hein? Le prince. Prince! Hey! Oui. Ewa, ami. Il y a du bruit. Je m'en vais à l'intérieur de Paris. Maman, Méliab. Ne t'inquiète pas. Allô? Hein? Mon prince. Hey. Je vais bien. Je vais bien. Comment vas-tu? Ouais, je vais bien, maman. Maman, j'espère que tu aimes les petites choses que je t'ai envoyées par ta fille. Oui, maman. Oh, tu les aimais, maman? Oh, je suis content que tu les aimais, maman. Oh, c'est bon, maman. Amen. Amen, maman. Oui, maman. Amen. Amen. Maman. Nem. Maman. Tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer, maman. Adao, maman, s'il te plaît. Souviens-toi de tout ce que je t'ai dit. Je ne veux pas que tu rates ce gros paquet d'or. Tiens-le très bien. Maman, je t'ai écouté. Je sais très bien que le prince m'aime tellement. Donc, je vais faire de mon mieux pour le garder. S'il te plaît, essaye. Hein? Oh, ok, maman. Tes cousines sont venues. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, Ify et Diane. Comment allez-vous? Ça va bien, maman. Ok, vu que vous êtes ici, vous allez la raccompagner. Je vais continuer avec ce que je faisais à l'intérieur. Ok, maman. Maman. Nguam. Idioma. Au moins. Prends soin de toi, tu vas me manquer. Et toi aussi. Oh, Badio Guana. Ok, maman. Merci. Guana. Ok, maman. Vous deux avez failli me rater. Regardez-les. Ah, ce n'est pas moi. C'est Dano. Elle cuisinait encore quand je suis allée chez elle. Bien. Dieu merci, nous ne t'avons pas manqué. Donc, c'est de cette façon qu'on aurait raté notre bénédiction aujourd'hui. Toi et les bénédictions. Ok, attendez que je vous donne quelque chose pour tenir. Hmm? Sharon, la meilleure. Pas encore. Accadez tout, diable. Calme-toi. Ne me flattez pas, s'il vous plaît. Oh, okay, mon Dieu, l'argent. Hey! L'argent. Ah! Bon, voilà, tiens ça. Ah! Prends ça. Toi aussi, j'en ai encore. J'en ai encore. Tu vois de quoi je parle? Tu vois cet argent? C'est comme ça qu'on allait rater notre bénédiction. C'est pas à cause de toi. Quelle bénédiction est plus grande que celle-ci? Merci. Oh, merci. Mais de rien. De rien. Pas de quoi. Alors, est-ce qu'on peut partir? Ah, bien sûr, laisse-moi. Mais allons-y. Je vais lui briser les doigts. Ok, laisse-moi porter ceci. Ne porte pas celui-ci. Allez. Oh, mon Dieu. Viens me tenir. Attends, pour de l'argent. C'est comme ça qu'elle se comporte. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai très très bientôt. Nous vous savez que je suis sérieuse. J'aime vraiment ta coiffure, elle est très jolie. Nous t'aimons tellement, tu sais. Ton massage aujourd'hui? Ça s'est bien passé, comme d'habitude. Bien, je suis contente d'entendre ça. Mais, j'ai réfléchi. Réfléchi? Ouais. À propos de quoi? As-tu encore un projet de retourner au Nigeria? Oui, bien sûr. Mais tout dépend de ma guérison. Alors, parlant de ta guérison, je connais un herboriste qui est au Nigeria. Un herboriste? Ouais, je veux dire, écoute, ok?
ne me méprends pas. Ok, je ne sais pas te dire que les traitements d'ici ne marchent pas, ok? Mais je crois qu'au Nigeria, nous avons plusieurs racines et herbes qui pourront t'aider à récupérer rapidement. Alors, je ne sais pas, si je marque un point là, je pourrais juste te donner son numéro. Ouais, ouais, bien sûr, tu marques un point là. Je crois que tu as raison. Ok. Oui. Parce que je ne sais pas comment mon oncle, ma famille, comment se sentiront-ils en me voyant dans cette condition? Comment est-ce que ma copine Sharon, comment est-ce qu'elle va se sentir? C'est faux. Oh, s'il te plaît, prince, tu dois arrêter ça. Ce qui est sûr, c'est que tu iras bien. Je veux dire, tu dois arrêter de penser à ce que les gens pensent ou à ce qu'ils vont dire et commencer à penser à comment tu vas te sentir mieux. Mon frère, ta vie compte beaucoup. S'il te plaît. Tu as raison. Cela veut dire que quand je vais voyager, tu vas me donner son numéro. Voilà hein? Ce que je veux entendre. Il n'y a pas de mal à essayer. Oh, mon frère. Merci d'être toujours là pour moi. C'est bon. Je vais te faire un truc à manger. Oh. S'il te plaît. Quand si tu savais que j'avais faim. Merci. D'accord. Oui, bébé. Je viens à peine d'entrer dans la chambre. Oui, j'écoute. Oh. Oui, bébé. Tu veux parler à ma mère? Ma maman n'a pas de téléphone. Oui, son téléphone a eu une panne et je n'ai pas pu lui en trouver un autre. Je la joins souvent par le téléphone de mon oncle. Qu'est-ce que tu viens de dire? T'es sérieux? Tu vas lui en offrir un nouveau? Merci, merci vraiment, merci, merci. Tu vois pourquoi je t'aime. T'es le meilleur. Mouah. Ok bébé, on se parle après, ok? Comment est-ce que je vais retourner au Nigeria en ressemblant à ça? Comment est-ce que ma famille me verra? Comment est-ce que Sharon me verra? Oui, je sais que j'ai gagné un peu d'argent. La société où je travaillais a changé ma vie, financièrement. Comment est-ce que je vais affronter ma famille à la maison? En ressemblant à ça. Ouais, alors, comment est-ce que vous allez? Ok, donne-le, je vais voir Dina. Hey, salut Dina. Bien, comment vas-tu? Bien, j'espère que tu profites du Nigeria. Pas de problème. Prends juste soin de toi, ok? Remets le téléphone à mon amour. Mon amour, l'amour de ma vie, ma seule et unique. Bébé, je t'ai envoyé quelque chose, ok? Pauvre, tu vas donner quelque chose à... De toute façon, vos noms sont écrits dessus. Tu vas voir ce qu'il y a Fatia et Gina et tu vas les lui donner. Et le téléphone de ta mère y est aussi. Oh, un téléphone pour ma maman. Hey, il a acheté le téléphone à ma mère. Bébé, merci beaucoup. Merci, t'es le meilleur. Oh oui, je t'aime tellement. Puis-je vivre sans toi? Hein? Oh bébé, merci. Ok. Ok, à plus, je t'aime beaucoup. Je t'aime. Bye. To spend my life with you.
chose de louche avec ce prince. Pourquoi est-ce qu'il porte toujours un masque? Genre, à chaque fois qu'on lui parle, même quand il est à la maison, il porte un masque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas, et Sharon, elle ne l'a même pas remarqué. Ah! Non, 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 non. Maman? C'est Sharon! Maman! C'est moi, Sharon, t'es là? Ah! Maman! Mais où est-elle? Maman! Où est-elle? Maman! Ah! Il n'y a personne. Je vais attendre dehors alors. Oh! Est là. Hey, Adao, Ewo, Net. Hey, maman. Hey, hey, on dirait que ça fait longtemps que tu es là. Oui, maman. J'ai déjà dormi ici, sérieusement. Désolée, je suis sortie très tôt ce matin. Ok, maman, contente de voir. Désolée de t'avoir laissé dehors. Maman, ça va, non? Tu savais pas que je venais, c'est tu pas vois. Ta faute. Si j'avais un téléphone, tu m'aurais informé avant de venir. Je suis vraiment désolée. Problème de téléphone, c'en est terminé. Parce que... Terminé. Tu as maintenant... Hein? Mais attends! Un nouveau... Hein? Ça, c'est pas pour toi, attends. Oh, arrête. Tu veux entrer dans mon sac? Attends, pourquoi tu... Qu'est-ce que tu caches? Pour voler mon argent. Je ne vais pas prendre ton argent. Hey! Hey! Neo! Maman? C'est mon téléphone. Bien sûr. Ce téléphone est pour moi. Oui, maman. Hey! Hey! J'ai maintenant un téléphone. Oui, maman. Hey! Merci. Tu peux m'appeler maintenant, chaque jour, à chaque moment. Oui. C'est ce même prince qui a acheté ce téléphone. Qui d'autre, maman? C'est le seul homme avec qui je suis. Hey! Prince, Dieu va te... En fait, tu auras. En fait, je te souhaite déjà tout le meilleur, prince. Que Dieu continue de te bénir, te bénir, te bénir, te bénir, te bénir, te bénir. Amen. Hey, Neo. Maman. Merci beaucoup. Merci. De rien, maman. J'aime je ferai tout pour toi. Merci beaucoup, mon fils. Ah. Ok, maman. Maman, je sais que tu aimes le téléphone. En fait, hein, ce téléphone est même très gros pour moi. Ah, débrouille-toi avec ça, maman. Ne t'inquiète pas, quand je reviendrai, je t'achèterai un plus gros. Hein? Alors, sens-toi libre de m'appeler à chaque fois que tu voudras. Une fois que tu me feras signe, je vais te rappeler, maman. Tu es le meilleur beau-fils que personne ne peut espérer. Tu ne manqueras de rien. Amen, amen. Ok, maman, prends soin de toi. Je le ferai. Je le ferai, ok? Mbano. Oui, maman. Tu es la meilleure de belle-mère de tout le monde entier. Bye bye. Oh. Ok maman, à plus, bye. Bye. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis tout de suite. Je sais qu'on se connaît depuis plusieurs années maintenant. Et je ne peux pas constater quelque chose et rester silencieuse. Ah, Gina, quel qu'en soit ce que tu voudrais me dire, sens-toi libre et dis-le-moi, ok? Parle-moi. Ok, c'est juste que... Ah, ton prince, j'ai constaté qu'il ne retire jamais son masque. Et tu ne l'as jamais vu sans son masque. Ah, c'est très amusant. Oh, Gina, tu te trompes. Oui, il le porte à cause des règles du Covid. Dubaï, c'est pas le Nigeria.
où on peut marcher calmement sans porter son masque. Tu te fais amender si on t'attrape sans ton masque. Donc tout le monde fait très attention. Même dans sa chambre. Où est-ce que tu veux en venir? Que veux-tu dire? Ah, au moins, découvrons s'il a des grosses lèvres, des dents marron ou autre chose. Gina, j'ai vu ses photos. Oui, j'ai vu des photos de lui où il riait, montrant ses dents blanches partout. J'ai vu ses vidéos, comment il dansait. Il m'envoie des photos et vidéos régulièrement et c'est le cas. Satisfaite? Désolée, est-ce que je peux voir? Bien sûr, ça c'est pas un problème. On dirait que tu veux me faire peur, hein? Voici une photo, je la zoome pour que tu puisses bien voir. Waouh, okay? Il est tellement mignon. Merci, maintenant il y a une autre, tu la vois? Il est vraiment mignon. Regarde comment il est tellement mignon. Où est l'autre? Attends, je vais la chercher. Il est vraiment mignon. Alors, tu comptes épouser Sharon? Oui, j'ai pris ma décision. Une fois que je vais arriver au Nigeria, je vais l'épouser. Ok. Écoute, je ne suis pas contre le fait que tu épouses Sharon, ok? Mais je pense que tu devrais plus te concentrer sur ta guérison d'abord. Je comprends. Mais, tu sais que je l'aime vraiment. Oui. Et je ne voudrais pas la perdre. Tu sais, on dit que perdre le temps est très dangereux. Alors c'est pour ça que je dois me dépêcher. Oui, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, la bonne nouvelle est que, Dieu merci, tu es en train de récupérer ta vie progressivement. Et ta bouche redevient normale. Mais je te conseillerais d'écouter ce que le médecin t'a dit. Je veux dire, une fois que ta bouche redeviendra normale, les autres choses se remettront en place. Tu es un homme fort. Je sais que tu peux le faire. Ouais, je sais. Merci beaucoup. Ouais. D'accord. Vas-y, continue de boire ton jus. Je vais l'appeler à l'instant et je vais lui demander d'enlever son masque. Oui, c'est ce que je fais tout de suite. Ah, il n'est pas en ligne. Mais il va voir mon appel et je sais qu'il va rappeler. Tout va bien, bébé. Juste que j'ai jamais vu ton visage. Je veux savoir, pourquoi est-ce que t'as toujours ton masque? Oh, je pensais la même chose. Ok. Bébé, s'il te plaît. Peux-tu enlever ton masque pour moi, juste quelques secondes? Je promets de pas prendre plus de ton temps. Oh, t'es dans un endroit public? Ok, peux-tu juste me montrer autour
que je vois combien l'endroit est beau. Oui, waouh, l'endroit est vraiment très beau. Tourne la caméra. Oh, c'est ok. Il y a un problème. Mon frère, bienvenue. Il y a un problème. Quel est le problème? Il y a un très gros problème. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Sharon m'a demandé aujourd'hui d'enlever mon masque. Comment ça? Elle dit qu'elle veut voir mon visage. Oh non, mais je croyais que tu lui envoyais tes vieilles photos et vidéos. Oui, je le faisais. Mais je ne sais pas pourquoi elle me demande de le retirer subitement. Mais fais-moi confiance. Je lui ai dit que j'étais dans un endroit public à cause du Covid-19. Ouais. Ensuite, elle m'a cru. Mais elle a dit que quand j'arrive à la maison, que je l'appelle et que je le retire. C'est pour ça que tu es si tendue. Monsieur. Non, calme-toi. C'est quelque chose que tu peux préparer et le faire. Juste regarde le miroir et ajuster juste, tu vois, juste un peu. Hein, mon cher, tu peux le faire, ok? Monsieur, me rejette, ça va me faire mal. Oui, je sais. Mais supporte juste. Tu peux te préparer. Essaye. Biko. Ok. Alors, tu sais quoi? Essaye de répéter et appelle-la. Après quelques secondes, tu raccroches. Avant que ta bouche commence à te faire mal, sois juste... Tu vois. Chai. Je vais l'appeler, je vais l'appeler. Allô? Ma sœur est là, parle-lui. Salut. T'es tellement belle, ma puce. Ouh. Tu peux m'appeler Sharon. Hey, Sharon, comment tu vas? Oui. Oh, c'est tellement cool de te parler. Je veux dire, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Mon frère n'arrête pas de parler de toi. Tu sais quoi? Parle-lui. Voilà ma sœur. Ouais. Raccroche. Voilà. Comment te sens-tu maintenant? Qu'est-ce que va le croire? C'était si rapide. Mais oui. Ok, laisse-moi la rappeler. Je vais lui dire que c'était le raison. Je vais la rappeler. Je ne veux pas que tu stresses beaucoup. J'espère que tu comprends. S'il te plaît. Salut. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Ma sœur voudrait te parler encore un peu. Hé, hey, notre future belle-fille, ne t'inquiète pas beaucoup pour mon frère, ok? Il va te revenir bientôt, ok? Wow. Alors, maintenant que tu as vu son visage, tout va bien, hein? Ok, alors parle à ton copain. Ok, bye. Bye. Quelque chose t'est-il arrivé? N'est-ce pas, tu as fait la vidéo? Ça fait mal. Je sais. Désolée. Désolée. Oh. Je me demande pourquoi tout d'un coup, elle m'a demandé de retirer mon masque. Ça ne lui ressemble pas. Elle est juste curieuse. Eh wow, prince. Allô? Ona. Prince Ikem. Je vais bien, mon fils. Je vais bien. Comment vas-tu? Maman, je vais bien. C'est juste le climat ici. Maman, j'ai envie de te dire quelque chose. Maman, je voudrais vraiment épouser ta fille. Hein? Tu dis? Tu veux épouser ma fille? Oui, maman. Atisouwadat ou maman? Hé! Au nom de que Chérike ou Chérike, dis-le encore plus fort, Chérike! En fait, j'ai fait des arrangements. Mon oncle, j'ai envoyé mon oncle vers toi.
Conseil pourra apporter toutes les choses qui seront nécessaires. Hey! Oui, y compris la liste, maman. Ce serait bien. Je serais contente de t'avoir comme beau-fils. Tu es déjà tu es mon beau-fils. Hein? Hey! Si tu le fais ainsi, ça serait bien. Ok. Mets-moi juste au courant de quand ta famille viendra. Comme ça, je pourrai apprêter la liste avant qu'il n'arrive. Oh! Elle n'est pas au courant de ça, maman. Mais je sais qu'elle sera très, très contente. Je vais lui annoncer la nouvelle comme une surprise. Ok, maman. Oh, Mbano. Ok, bye bye. Oh, oh, now. Hey! Odokwa, Shimoda, maman, allez-y. Mon anité, go. Allez-y, c'est bon, ma. Oh, Washigi, son pampas. Kofi na meya imeme. Oh, pari na meme, na me na lezi. Oh, mugo mwamo. Hey! Hey! Adane. Maman. J'aurais dû t'appeler au téléphone pour parler avec toi. Mais en y réfléchissant bien, je me suis dit que ce serait mieux de te faire venir ici. Comme ça, nous pourrons parler face à face. Comme mère et fille. Ok, maman. Je veux que tu me dises la vérité. Dis-moi juste ce que tu as en esprit. Ce jeune prince, l'aimes-tu vraiment au point de vouloir l'épouser? Mais maman, comment peux-tu me poser une telle question? Tu dois déjà le savoir. Oui, je l'aime. Bien, cela rend ça plus facile. En fait, le prince m'a appelé. Oui. Il a dit qu'il voulait t'épouser. Qu'il enverra sa famille pour venir prendre la liste du mariage. Alors, j'ai donc dit d'accord. Je devais d'abord t'en parler. Parce que ceci est une affaire sérieuse. Bien sûr. Tu comprends? Alors, je voulais d'abord t'en parler. Maman, je l'aime. Oui. Alors, Adanaya, s'il te plaît, ma fille. Quand tu verras ce prince, je sais que tu aimes les hommes qui sont assez matures. Hmm? Des beaux hommes. Même s'il n'est pas beau. S'il te plaît, gère-le. Hein? Maman, je ne vais pas juste le gérer. Je vais l'accepter avec toute ma poitrine. Bien sûr, hein? Tu sais pourquoi je lui dis. Ce prince est un sac d'or pour nous. Ma colloque. Ma colloque. Dieu l'a fait pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu si contente? Je suis si excitée, ma cochonbrière. Mais bébé, raconte alors, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que je vais même commencer maintenant? Oh, écoute. Ok. Mon prince charmant, il a appelé. Il a appelé. Il a finalement déclaré son intention de m'épouser. Non, tu mens. Je ne mens pas. Non. Ma chérie. Attends, je n'ai pas encore terminé. Il a appelé ma mère. Ok. Il lui a demandé d'apprêter la liste, oui, qu'il enverrait son oncle pour venir la chercher. Et une fois de retour au pays, il viendra payer ma dot. Oh mon Dieu. Je suis si contente pour toi. Je vais finalement porter le paille, mon Dieu. Oui, commence à me parler comme à une dame, parce que c'est ce que je serai dans quelques semaines. Ma madame. Dis-lui encore, plus fort. Mon Dieu, je suis si contente. Les pailles en cours de téléchargement. Et oui, j'ai hâte de voir ce jour. Oh mon Dieu, je vais plus attendre. Je suis impatiente. Oui, bébé, je suis encore à l'école. Nous avons une autre matière. Oui, j'attends juste que le professeur arrive. Oui, bébé, ça me rappelle. J'espère que tu n'oublieras pas mon anniversaire cette année.
Tu sais que tu l'as oublié l'année dernière. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois. Je ne te blâme pas vraiment parce qu'on s'était rencontrés 3 jours avant mon anniversaire. Mais cette année, si tu oublies mon anniversaire, je ne vais jamais, je dis jamais te pardonner. Oui, fais-moi confiance. T'es sérieux? Ok, pas de problème, bébé, je dois partir maintenant, ok? Prends bien soin de toi, je t'aime tellement. L'amour est doux. Ça doit sûrement être ton prince charmant. Bien sûr, qui d'autre ça pourrait être? Copine, Sharon, mais ton prince n'a-t-il pas, tu vois, des bons amis, des frères mignons comme lui? Mais associe-nous, ne sois pas aussi égoïste. C'est qui? C'est là. Pourquoi tu dis nous? Toi bébé? Et moi. Parle pour toi-même, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi on est encore là? Allons-y, s'il vous plaît, avant que Monsieur Zion entre en classe avant nous. Je ne veux pas d'ennui avec cet homme, je vous en prie. Ça, c'est je m'en vais. J'ai pas la force pour cet homme. Allons-y, s'il vous plaît. Trop les problèmes. Copine, es-tu sérieuse? Gina, je suis très sérieuse. Écoute, je craque sur ce gars. Et... En fait, je ne pense pas que je craque juste. Je suis en train de tomber amoureuse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, non, je vérifie ta température. Mais pourquoi? Attends. C'était quand la dernière fois que tu as fait le test du palais? Parce qu'à t'entendre parler, on dirait que tu as du palu. Ah non, 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 non. Je suis amoureuse. Mécha, réveille-toi de ton rêve très vite. Gina, s'il te plaît, peux-tu m'aider à avoir son numéro? Je te demande de te réveiller de ton rêve et toi tu me demandes son numéro? De quel numéro est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te fous de moi ou quoi? Est-ce que tu peux même t'entendre? Donc, tu veux que je trahisse Macalock, mais ça n'a pas de sens, copine. Arrête, s'il te plaît. Dis-moi juste ce que tu es en train de blaguer avec ces choses que tu racontes. Tu blagues juste. Mais Gina, c'est juste une petite faveur. Tu racontes des bêtises. Que je te donne son numéro. Est-ce que tu viens? I love you so. I truly do. I love you so. I really, really do. All I want to do is to spend my life with you and be together. All I want to do. Je voudrais te dire quelque chose. Je sais. Je pouvais l'imaginer par ta démarche. Laisse-moi t'écouter. L'anniversaire de Sharon est dans quelques jours. Et je voudrais lui acheter une voiture. Non, tu ne le feras pas. Je veux dire, ne penses-tu pas que tu dépenses beaucoup sur cette vie avant qu'elle ne pense que tu es un gars riche ou autre chose? Mais je ne suis pas pauvre. Oui, je sais que tu n'es pas pauvre. Je veux dire, je sais que ta condition t'a ouvert beaucoup de portes financières, ok? Mais je te dis juste de réduire un peu tes dépenses sur cette vie. Je veux dire, avant qu'elle ne pense que tu es un multimilliardaire ou autre chose, je ne sais pas. Ok, je comprends. Je comprends ce que tu as dit. Je vais faire comme tu as dit, mais... Ce sera pour lui racheter la voiture. Je ne vais pas abandonner. C'est bon, fais juste ce qui te rendra heureux. Je veux dire... Je voulais juste te former. Maman, mon prince a fait un virement de 500 000 naira dans mon compte. Oui. Il a demandé que tu l'utilises pour acheter de la cola pour sa famille. Il a également demandé que nous lui signalions une fois que nous serons prêts pour qu'il envoie son oncle pour venir chercher la liste. Hey! Non, attends.
Ai-je bien entendu? 500 000 naira. Eh oui, la somme de 500 000 naira, maman, t'as bien entendu? Juste pour la cola. Ordinaire. Ordinaire. Maman, cet agent, c'est rien pour lui. Hey! C'est rien. Ce prince est vraiment incroyable. Salut, Suret. Ah, frérot. Je voudrais te dire que je vais partir au Nigeria dans 3 jours. J'ai déjà réservé mon vol. Oh, c'est bien. Je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Sharon sera très excitée. Sharon, elle n'est même pas au courant que je vais venir. Ouais, je veux juste lui faire une surprise. Oh, ok. Alors dans ce cas, je vais t'apprêter quelques trucs pour donner à nos oncles. Oh, ok, ce serait bien. Mm-hmm. Mais s'il te plaît, j'espère que ce ne sera pas beaucoup. Tu sais que je n'ai pas porté de bagages. Je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de choses. J'espère. Si c'est beaucoup, je vais tout balancer à l'aéroport. Madame, comme on le dit toujours, un crapaud ne se balade pour aucune raison en plein jour. Exactement. Soit quelque chose pourchasse le crapaud, ou le crapaud court après quelque chose. Tu as raison. Alors, je suis venu avec ma famille pour prendre la liste. Comme ça, on pourra commencer à payer les rites du mariage immédiatement. Ok. Elle est prête. Comme si tu le savais déjà. Le prince a vraiment hâte. Je sais. Il veut la liste juste pour faire les choses rapidement. Le prince de Dubaï. C'est bien. C'est bon. Merci, Mazi. Alors, voici la liste. Ok, nous donnerons la liste au prince immédiatement. Il veut qu'on la prenne. Comme ça, il fera tout immédiatement. Pas de problème, nous allons attendre. Comme je l'ai dit, le plus tôt sera le mieux. Attends-toi, nous voir bientôt. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Ouais, je suis avec elle ici maintenant. Ok, je vais lui passer le téléphone. Mon frère veut te parler. Ton frère? Ouais. Allô? Mon prince charmant. Comment tu vas, mon prince charmant? Ma voiture? Ah, mon prince charmant. Mon prince charmant? Oh mon Dieu, tu peux pas être sérieux. Tu es sérieux? Ma voiture. Je l'aime, bébé. J'aime cette voiture. Je suis maintenant propriétaire d'une voiture. Merci, mon amour. Merci. Merci, bébé. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, bébé. T'es le meilleur. Le meilleur cadeau d'anniversaire. Mon cadeau. C'est ta voiture? Mon cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Non, non, non. C'est pas trop. J'ai une voiture. Oh, mon Dieu. Bien. Oh mon Dieu, Jésus, vous avez été blessé? Mon Dieu, je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée. Ah, ah, Sharon, mais tu as failli les cogner. Non, toi, ne me parle pas ici. Les deux, vous êtes normal? Hein?
Répondez, vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas ou quoi? Nous sommes désolés. Désolé quoi? Désolé pour vous. Sharon, tu as failli les cogner. Excuse-moi. Je ne dirai pas désolé. Non, mais dites-moi pourquoi dois-je être désolée? Elles ont des yeux pour en faire bon usage. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée. J'espère que vous n'êtes pas blessée. Pas de problème. Je vais bien. Vous avez la chance, ma voiture. Désolée. Tu te rends compte? La prochaine fois que vous faites cette bêtise, je vais pas faire attention à vos petits pieds. Je vais juste les briser. Sharon, ce que tu dis n'a pas de sens, oh? Ne me blâme plus, ça toi. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est? Saurais-tu t'excuser, Sharon? Non, revenez. Revenez que je vous casse les pieds. Grand frère, tu n'es pas sorti aujourd'hui? J'ai décidé de me détendre à la maison. Oh, sois le bienvenu. Merci. Je vois que tu as acheté une voiture pour ta copine. Oui. J'ai décidé de la surprendre. Je vois. J'espère que tu fais ce qui est bon. Je veux dire, t'es-tu toi-même acheté une voiture? Eh bien, sa voiture est également la mienne. Oui, je peux l'utiliser. Ok, alors qu'en est-il de ta maison? Oh, tu veux dire où je vais habiter? Mm-hmm. En fait, je vais acheter un petit truc, juste une petite maison, que j'utiliserai pour un temps. Ensuite, quand je serai complètement guéri, je vais acheter un terrain et construire une maison pour moi-même. C'est une très bonne idée, vraiment, fais-moi confiance. Donc, mon frère va se marier. Oui, et il y a une bonne nouvelle. S'il te plaît, dis-moi. Nous avons finalement trouvé une date pour nos fiançailles. Oh mon Dieu! C'est une très bonne nouvelle. Je suis vraiment contente pour toi, crois-moi. Ok, je suis tellement épuisée. Je dois me reposer. Sois la bienvenue. Merci. Joins-toi à moi, non? Oh non, je n'ai pas faim. Merci. Hey, ma copine a une voiture. Hey, profitez de la musique. Est-ce que vos colocs le peuvent? Est-ce que vos colocs le peuvent? Coloc! Ah! Hey! Thank you.
Gede. Hein? Oh, Ganekin, tu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais doucement. C'est la cour de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y doucement. Ah! Oh, Adane. Hey! Adao. C'est toi. Evie. Hey. Ma voiture. Notre voiture. Ta voiture. Oui. Hey. Hey. Tu veux dire que... Oui, prince. Prince m'a acheté la voiture. Prince. Hey. Regarde. Oui, maman. Bonjour, maman. Bonsoir. Hey. Le prince l'a acheté. Eh oui, maman. Maintenant, j'ai une voiture pour hey. Moi. Hey. Donc, je dois danser. Eh oui. Hey. Hey. On dévaille. Hey. On dévaille. Hey. On dévaille. Hey. On dévaille, hey. Maman. Hey. 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 Ok. 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 Hein? Oh, there you go. Bye. Oui, maman. Bye. Do oui, maman. Maman. Do bye. Hey, I come. Hey, bello. Oh, Guinée. Chai. Negodi. Lola, Dubaï. Imaginez. Hey. Cette tenue me convient très bien. Hein? Si je vais à Dubaï, ah, je sais que je vais voyager. Je le sais. Le prince de Dubaï. Hey. Look over. Oga Gaganama. Ada. Ada, no. Bien. Dossi, ça. Comment tu me trouves? Maman, mais c'est quoi ça? Lola Dubaï. Oh, maman, arrête, je n'aime pas ça. Comment peux-tu porter ce que le prince a envoyé à certaines personnes? Ça, c'est pour d'autres personnes. Ils m'appartiennent maintenant. Ou est-ce que tu ne les aimes pas sur moi? Hein? Maman, j'aime pas ce que tu fais là. Ça, c'est pour les hommes. Oh, Guinée. Nene, tu go, baby. Oh, nene, tu go, baby. Nene, wayo, ton sang est très chaud. Watago. Watabi, non, non, haya, non. Adane, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Hein? Adane, tu vas m'emmener au marché. Oui. Je dois leur montrer. Ils doivent me voir. Hein? Hey! Maman, Laisse-moi aller leur montrer. Laisse-moi aller leur demander. Ogini, où vas-tu, Obi? Je dois aller acheter quelque chose pour cuisiner pour toi et ton ami. Allez, allons-y. Maman, t'es déjà vieille. Laisse tomber ça. Va conduire la voiture. T'es déjà vieille. Laisse-moi prendre la clé. Je sais mieux si tu ne le sais pas. Hé, hé, hé. Ogini, dépêche-toi, Biko. Dubaï. Oh, je vais entrer au marché comme ça. Comme ça. Ah, madame, combien coûte ceci? Hein? Eginika Nereya. Atineya Koto. Watago. Hein? Maman, maman, entre dans la voiture. Me voici, non? Allons-y. Tu vas me voir comment compter. Ok. Hey! Imana même atanone. Kenewa Nerunana. Watago. Ya, regardez mon élégance. Ogini. Mets la musique. Qu'est-ce qu'il y a? Mets la musique. Madame. Et ça? Combien ça? 100 naira. Tenez. Même. Né, on est. Hey, Adao. Hey. Goélé. 200 naira. Hé, n'allez quoi, non? Madame, et ceci, combien ça coûte? Enegarenda. Les voilà, madame. Vous voulez pour combien? Ok, je veux une demi-douzaine. Je vais revenir. Non, Adao. Non, maman. Hé, Lola, tout m'est bien, tout m'est bien, tout m'est bien. Maman, t'as l'argent dans ton sac. Moi, madame. Oga, Biko, est-ce que je peux avoir ceci? Egolo Kino Reno. Adaene, Ada Dubaï. Je sais bien que tu aimes manger du plantain avec un peu de porridge. Ouatago, je vais cuisiner du porridge, hein? Adao. Hey!
Ngawodego. Wuna gini no net taro. Hein? Oui, t'as dit, vous n'avez pas de soucis. Eh oh! Cela est très cher. Hein? C'est quoi le souci? T'as de l'argent dans ton sac. Et alors? Et alors? Je ne vais pas le prendre comme ça. Madame! Combien? Ton sel. Je vais dire. Quoi, madame? Ton sel, c'est combien? Même ceci? Hein? C'est le bon sel, madame. Je vais prendre. C'est le bon. Ceci, ok? C'est Sharon. Sharon, bienvenue. Non. Doucement, les filles. Comment allez-vous? Tu nous as bien. Manqué. Sharon, pourquoi refuses-tu qu'on t'embrasse? On était en route pour chez toi, pour te féliciter pour ta nouvelle voiture et pour tes fiançailles aussi. Oui. Voyons, vous n'avez pas besoin de m'embrasser pour me féliciter. Vous pouvez le faire à distance. Hey. Et une chose encore, nous ne sommes plus au même niveau. Hey. Mon niveau maintenant est comme ceci. Comprenez cela et clairement. Quelle stupidité. Sharon. Oh, c'est mon nom. Dina, as-tu entendu ça? Est-ce que c'est une blague que vous nous faites toutes les deux? Je suis aussi surprise que vous. Ou est-ce que je ne vous ai pas embrassée? Bien sûr que tu l'as fait. Tu l'as fait. Juste surprenant pour moi. Bien sûr que tu l'as fait. Tu l'as fait. Attends. Sharon. Donc, c'est mon nom. Tu veux dire que nous ne sommes plus de la même classe parce que tu es à l'université et que tu sors avec un riche de Dubaï? Oh, ferme-la. Hey. La ferme. Mais qui parle, regarde-les. Puante, sale, laide chose. Sharon. Oh, ferme-la. Je parle encore. Ne m'interromps pas. Regardez. Regardez-les. Aucune d'entre vous, je répète, aucune n'a ce qu'il faut pour attirer un prince, encore moins. Un prince qui vit à Dubaï, regardez-moi, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, la beauté, les formes et la taille. Oh, on peut partir. J'allais oublier. Vous toutes êtes invitées à mes fiançailles. Et oui, et s'il vous plaît, en venant, assurez-vous de prendre un bon bain. Oui, juste lavez toutes ces sales choses, hein. Lavez bien votre corps, ok? Autre chose, s'il vous plaît, habillez-vous bien. Ne venez pas ressembler aux esclaves. Faudra pas me mettre dans la honte. Dehors, vous n'aurez pas de permission pour entrer. Hey, Sharon. S'il te plaît, allons. Sharon. Hey. Je suis vraiment désolée, s'il vous plaît. Pardonnez-lui. Vous savez qu'elle n'est pas souvent comme ça. Attends. Tu veux dire que subitement, nous ne sommes plus à son niveau, c'est ça? Je t'assure. Je suis vraiment désolée. Je vais lui parler. Ça va aller. Oh, je vais lui parler, s'il te plaît, Ify. Hey. Désolée. C'est pas grave, c'est bon. Hey. Allons-y, s'il vous plaît. C'est bon. Désolée. Je suis vraiment désolée, je vais lui parler. Est-ce que tu peux venir pour qu'on parte? Entre dans la voiture, on s'en va. Quoi? Sharon! Hey! S'il te plaît, ne recommence pas cette bêtise, hein. Entre, on s'en va. Tu sais quoi? Tu serais resté avec elle. Tu serais resté avec elle pour causer. Ne fais pas ça avec moi, hein. Regardez-la. C'est bon. Allons-y. On y va. Laisse tomber. N'importe quoi. Quoi? Qu'est-ce qui
t'arrive, Sharon? Pourquoi es-tu devenue tellement, tellement arrogante? Pourquoi as-tu traité nos amis d'enfance sans classe? Sharon, tu dois vraiment te calmer. Ne laisse pas ce petit changement de niveau te monter à la tête. T'as fini de parler? Non, réponds-moi, regardez qui parle. Nous sommes venus pour que tu m'aides à planifier mes fiançailles. Et non pas pour me faire des sermons. Et que je te rappelle, si tu veux que nous soyons en paix pour les quelques jours que nous avons dans cette maison, alors reste très sage. Oui, ne déborde pas les limites. Vraiment? Ok, qu'est-ce que c'est? Vraiment, Sharon? Oui. Chat, c'est à moi que tu es en train de parler. C'est quoi ça? N'es-tu pas censée être de mon côté? Je suis ton amie et pas elle. Tu devais être de mon côté et pas du leur. I love you dearly, love you so dearly, for the things I say and do. You see it clearly, you say you love me. I hope that it is true, because if you don't, I won't know what to do. You mean the world to me. Oh, you are everything to me. Au Nigeria, mon prince charmant. Tu m'as manqué. Où sont tes bagages? Oh, je les ai laissés dans la voiture. J'ai décidé de venir te voir d'abord. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Ok, j'ai une surprise pour toi. Ah, vraiment? Mais tout d'abord, tu vas devoir fermer tes yeux. Ok. Et s'il te plaît, ne les ouvre pas jusqu'à ce que je te demande. Ok? Alors ferme tes yeux, ferme les yeux.
S'il te plaît, ne les ouvre pas. Garde-les fermés. Ok. Tu peux ouvrir. Veux-tu m'épouser? Oui. Oh, oui. Ah, oui. Oui, je vais t'épouser. Oui, oui, oh. Oui. Je t'aime aussi. Pas chez toi. Oh. Je t'ai cherché partout, je t'ai regardé à la compte, je ne t'ai pas vu. Tu as ici embrassé ton sac. Oui, oui, oui. Oh. Pourquoi est-ce que tu dis oui? Donc ce n'était qu'un rêve. Qu'est-ce qui arrive à celle-ci? C'était un si beau rêve. Oh. Regarde celle-ci. Beau oh. rêve, assez tard, tu es ici arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui était beau avec le rêve au juste? Tu ne comprendrais pas. Allons-y, allons-y. Tu as quel problème, toi? Allons-y. Lolo Dubaï. Maman, bonsoir. Maman, bonsoir. Je ne veux plus vous entendre m'appeler maman. Putain, gros, tu t'en sors. Ah. Où tu appuies? Où tu appuies? Bien. Appelez-moi. Lolo Dubaï, vous avez compris? Maman. Hey. Lolo Dubaï. Oui. Je ne comprends pas, maman. Comment ça? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Quand vous m'appelez Lolo Dubaï, vous dites que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Maman, nous sommes confuses. Pourquoi vous êtes confuse? Subitement Lolo Dubaï? Ok. Comme vous n'avez pas entendu, laissez-moi vous dire. Mon beau-fils le prince va nous emmener, moi et ma fille, à Dubaï. Très très bientôt. Lolo! C'est bien moi. Lolo Dubaï! Encore plus fort. Lolo Dubaï! Lolo Dubaï! Je suis très contente pour toi. Lolo Dubaï! Oui, ma chérie. Maman, Lolo Dubaï, Sharon est à la maison? Oui, elle est là. Sharon? Hey! Non, non, non. Mais maman, ne criez pas. Nous sommes ici pour la voir, non? Elle est en train de dormir. Et vous savez que ce n'est pas bien de la réveiller parce qu'elle se prépare pour le voyage de Dubaï. Wow. Elle dort, d'accord? Alors si vous la réveillez maintenant, elle va avoir de la migraine. Et vous savez que ce n'est pas bien pour une habitante de Dubaï. Alors, on va faire comme ça. Vous allez partir et revenir plus tard. Maman, qu'on parte et qu'on revienne plus tard? Vous n'entendez pas ce que je dis. Qu'on parte? Oui. Ok, maman, qu'en est-il de Dina? Est-ce qu'elle dort aussi? Eh bien, Dina, je l'ai envoyée faire une course. Elle va revenir le soir. Ok, maman. Ok. Ok, maman. Ou alors, vous voulez manger? Non, maman, ça va. Merci. Ça, merci, c'est Dubaï. Les fruits de Dubaï. Je sais que vous n'êtes pas habituée. Maman, nous partons. Quand Sharon va se réveiller, dites-lui que nous étions ici pour la voir. Ok, pas de souci, Je le ferai. Oh. Ok, maman. Vous dites que vous n'en voulez pas. Voilà. Bye, bye, Oh. Dubaï, Dubaï. Le plus énervant, c'est que sa mère nous voit maintenant comme des pestes. En fait, cela m'a vraiment choquée. Sa mère pour qui nous faisions des courses.
Quelqu'un qui se souciait de nous comme ses propres enfants. Et tout d'un coup, elle a changé. Elle a subitement changé. Changé en une nuit. Je crois que nous devons réduire nos visites là-bas. Réduire? Est-ce que tu as dit réduire? Ify, nous devons arrêter d'aller là-bas. Elles nous ont beaucoup embarrassés. Remercions Dieu, nous avons été admises. Nous allons finalement quitter ce village. Pour elles, nous n'étions que des villageoiseaux. Aïe, mais l'argent peut changer les gens. Maintenant, tu sais. Ma sœur. Quoi? J'ai finalement réussi à chasser cette fille. C'est un mensonge. Oh, t'es sérieuse là? Oh. Hey, nice day, kudu, ke di kudu kado na na na. Ada ni ke? La la di la la. Oh, gini. La la di la la. La la bani yeso. Du même yon moi. Maman, hein? D'où est-ce que tu viens? Ne. Ej. Amgara prada kuti poto. Amgara, ngara kwete kwete. Ne. Tu te nere me ba. Si tu voyais ce qui se passait là-bas. Hey! Maintenant, ils y croient. Comment, maman? Je suis allée me vanter. Hey! Watago. Hey! Et Gloria, je veux que nos ennemis saignent à mort. En fait, en ce moment même, hein, ils saignent déjà. Maman, où est le wayo? Vas-y doucement. Avec mon téléphone, je vais appeler mon beau-fils. Je vais appeler mon beau-fils. Je vais l'appeler. Hey! Maman, ne te dérange pas, t'es inquiète. Je dois le montrer à nos ennemis. Non, ça c'est trop. Je dois le montrer à nos ennemis. Non, ça c'est trop. Comme mon narone narote mo. Je t'en prie. Comment trouves-tu cet endroit? C'est très beau. Joli. Tu aimes? Oui. Bien, voici la maison que j'ai achetée pour toi, avec l'argent que tu as envoyé. Et je suis content que tu l'aimes. Je suis vraiment content que tu l'aimes. J'aime. Laisse-moi te montrer l'intérieur avant de venir chercher tes affaires. Ok, allons-y. Alors, Madame Ebo était déjà en classe, donc la fille marchait juste. Elle n'a pas su que Madame Ebo était en classe. Alors, la femme s'est tenue là. Quand elle l'a vue, elle l'a fait. Mais cette femme est très méchante. Elle est très très. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Cette femme ressemble à une sorcière. Tôt le matin, elle est déjà en salle. 8h, c'est 8h. Qu'elle le veuille ou pas, sa matière. Je vais la valider. Moi aussi. Parfait, force. Je ne veux pas dormir. Si elle veut de l'argent, je vais lui en donner. Si elle veut que je lise, je vais lire. Excuse-moi, qui peut m'appeler avec un numéro inconnu? Pourquoi tu ne décroches pas pour savoir? Ça pourrait être lui. N'est-ce pas? Allô? Mon prince charmant est là. Dieu merci pour le voyage, Dieu merci. Oh mon Dieu, j'ai hâte que demain arrive pour nos fiançailles. Oui, j'en ai hâte. Oui bébé, j'ai vraiment hâte.
Tu vois? Tu ne voulais pas décrocher. Je pensais qu'il ne serait pas là pour les fiançailles. Dieu merci, il est rentré. Et oui, mon prince charmant est rentré. Ah, il est rentré, mon prince charmant est là. Oh, oh mon Dieu. Oh, ce prince charmant est tellement beau. Regardez ses photos. Oh, oh mon Dieu, ce gars est si mignon. Oh, oh mon Dieu. Ah, j'ai hâte de te voir. Ah. Je t'ai enfin trouvé. Copine, comment tu vas? Je suis juste là. Je croyais que tu étais déjà allée chez Sharon. Pour ses fiançailles demain. Ouais, je n'ai pas pu partir, mais j'y serai là-bas sans doute demain. Et toi? Non, je ne vais pas pouvoir y aller. Mais je suis très contente pour elle. C'est une fille chanceuse. Ouais, j'ai aussi appris que son futur mari est très attentionné. Oui, mon prince charmant est très attentionné. Ton prince charmant? Ne prête pas attention à moi. Son prince charmant est très attentionné. S'il te plaît, je n'ai pas le temps de blaguer aujourd'hui. Mais où est-ce que tu vas? Je veux aller prendre quelque chose. D'accord, allons-y. Samir est déjà là. Maman! J'arrive! Oh mon Dieu! Maman, où es-tu? Maman, c'est la belle famille, ils sont là! Mon prince est là! Mon prince est là! Maman! Quoi? Oui, ton mari. Bébé. T'es mongol? Non, bébé, je ne le suis pas. Je vais t'expliquer. Expliquer quoi? Oh, Guinée, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 ne t'approche pas du moi. Yeah. Ne t'approche pas. Oh, Guinée. Ah! Yeah. Un mongol, non! Le prince de Dubaï. Belle-mère. Ferme-la. Ne m'appelle plus ta belle-mère. Maman, calme-toi. Ferme-la. Tu ne nous as pas dit que tu es un mongol. Tu nous as trompés pendant tout ce temps. S'il vous plaît, Biko, Oya, partez de ma maison. Comment oses-tu? Comment oses-tu lui parler de cette façon? Hein? Pourquoi ne vais-je pas lui parler ainsi? Tu as amené un mongol dans ma maison pour épouser ma fille. Tu es un idiot, dégage! Sortez de ma maison. Non, 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 non. Maman, calmez-vous. J'ai dit dehors, dehors! N'importe quoi, ce mariage est annulé. Belle-mère. Tu ne peux pas épouser ma fille. Tu es un mongol. Maman, s'il vous plaît, ne... Partez, allez-vous-en. Calmez-vous. J'ai dit partez de ma maison. Nous allons vous expliquer, ne vous mettez pas en colère. Partez de ma maison, je ne veux entendre aucune explication venant de vous. Tu nous as trompés tout ce temps. Bouah, Aro. N'importe quoi. Vous voyez ce qui s'est passé? Ekene. N'importe quoi. Vois-tu la façon dont ils nous ont traités? Nous ne sommes pas du tout les bienvenus. Laissez-les. Allons-y. Allons-y. Mon prince, bienvenue. Vraiment désolé. Je voulais juste te dire merci pour toutes les choses que tu as faites pour nous. Surtout moi. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Tu es un homme bien et tu as un bon cœur. Ok. Ne t'en fais pas. Je vais lui parler. Je vais leur parler. Ok. Au revoir. Désolé, au revoir, je vais lui parler. Au revoir, bye bye. The things I say and do, you'll see it clearly. You say, hey, je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Est-ce que mes yeux me trompaient ou quoi? Comment ça? Donc c'était lui le tout puissant, un prince de Dubaï, hein? Tu fies à quoi? Ma chère, tu l'as vu maintenant. Franchement, je n'arrive pas à croire que j'ai flashé sur un mongol. Un mong. Hey! Tu fies à quoi? Ah, Shioma, ce n'est pas du tout juste. C'est un être humain, non? Qui est-il? N'est-il pas évident qu'il est un mongol? Ou
Tout c'est parce que la salive ne sort pas de sa bouche. Qu'est-ce que tu racontes? Sérieux? Que Dieu m'en garde, je ne peux flasher sur cette personne. Tu peux le croire? Un Mongol. Avec ce qui vient de se passer ici aujourd'hui, je ne pense pas que je vais passer la nuit ici. Je rentre. Mais où veux-tu aller? Il se fait tard. Qui connais-tu dans ce village? Je rentre chez moi. Je ne peux pas dormir dans cette maison. Tu veux rentrer à la cité cette nuit? Oui. Que Dieu m'en préserve. Comment est-ce que je peux flasher sur un Mongol? Mince. Ah ah. Je lui dis désolé. Je lui dis que tout va bien. Dis-moi, c'est quoi ce genre d'embarras? Comment vous pouvez parler avec un homme pendant plus d'un an et vous n'avez pas constaté qu'il était en Mongol? Vous savez ce que vous êtes? En fait, vous êtes folle, Noandara. Ondara, vous l'avez vu? Omena, c'est arrivé. Idutemiro. Hey! Dubaïemo. 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 Yeninemeko. Swakininemina kwananala. Yeah. Copine, quoi de neuf? S'il te plaît, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé aux fiançailles hier? Ma sœur, on dit toujours qu'on aura tout vu. Je ne suis plus par rapport, en fait. Que veux-tu dire par « tu n'es plus par rapport »? Je n'arrive pas à croire que j'ai flashé sur un Mongol. Hein? Si tu vois ce prince charmant toi-même, tu seras choquée. Attends. Attends, veux-tu dire que le prince tout-puissant de Dubaï est un Mongol? Ma chère, si je ne l'avais pas vu avec mes deux yeux, je ne l'aurais pas cru. Ce prince est un Mongol. Hey! Je ne peux pas croire ça. Un Mongol, j'arrive à ça. Un Mongol. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi et écoute-le d'abord. Mais dites-moi, en quoi puis-je vous aider? S'il te plaît, arrête. Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Je suis ici pour te voir. Écoute-moi moins. Tu sais que je ne peux rien faire sans toi et je t'aime tellement. Tu peux juste la boucler? Ne m'aime plus. Et s'il te plaît, t'es en train de m'agacer maintenant. Et je ne supporte plus cela. Oui, je ne le supporte plus. Arrête de m'agacer, ok? Et toi, parle à ton ami ou ton frère. Peu importe ce qu'il est, parle-lui. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi d'abord, s'il te plaît. Parle-lui ou la prochaine fois, je vais le casser la tête. Je vais te casser la tête. Écoute-le d'abord. Oh, n'importe quoi, il vient me parler. Kerlock, c'était qui et pourquoi est-ce que tu as claqué la porte ainsi? Kerlock. Kerlock! Quoi? Quoi? Kerlock ici. Kerlock là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux savoir qui est dehors, va découvrir par toi-même. Arrête de me colloquer. Ha! Ok. J'imagine que je dois aller dehors et vérifier. Par c'est moi-même. Mieux. Pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça? Oh, elle a vraiment changé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oh, mon prince. Alors, c'est toi? Bonjour. Mon prince. Je suis vraiment désolée, mais Sharon a juré de ne plus jamais te voir. Elle ne veut plus du tout te voir. Et je te conseille de partir. Je vais lui parler plus tard quand elle sera plus calme, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée pour l'embarras. Dina, s'il te plaît, aide-moi à lui parler. Je l'aime tellement.
Hein? Elle représente tout pour moi. S'il te plaît, je ne veux pas du tout la faire. Hein? Aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Oui, je sais, je comprends. Je vais lui parler, je te le promets. Oui, Dina, mon frère n'arrive même plus à dormir. Il ne mange plus. Tout son esprit est tourné vers elle. Il l'aime tellement. Il ne peut pas vivre sans elle. S'il te plaît, aide-nous. Je vais lui parler, Dina, je le promets. Frère n'arrive je suis même vraiment désolée pour l'embarras, s'il te plaît. Désolée. S'il te plaît, aide-moi à lui parler. Hein, s'il te plaît. Il l'aime merci tellement. Beaucoup. Ok, d'accord. Il ne peut pas vivre sans elle. S'il te plaît, aide-nous. Love you so dearly, the things I say and do. You say au revoir. You say you love me. I hope that it is true. Il est très chanceux. Sharon, je ne comprends pas du tout ton comportement. Je ne te comprends pas. Ton prince charmant, le même gars qui a tout fait pour toi. Tout d'un coup, ton comportement a changé. Ça n'a pas du tout de sens. Sharon. Sharon, c'est à toi que je parle. Sharon, c'est à toi que je parle. Bien, c'est bon. Auriez quoi? Bonjour maman. Je suis ici pour te voir, comme ça nous pourrons parler. Oui. Il a quelque chose de très important dont il voudrait parler avec vous. S'il vous plaît, écoutez-le. Tu veux causer avec moi? Oui. Attendez-moi, je vais aller chercher des sièges pour que vous vous asseyez. Je te l'ai dit, si cette femme t'écoute, elle comprendra. Le problème est que elle ne nous en a pas donné l'occasion. Et tu présumes juste. Mais une fois qu'elle t'aura écouté, tout ira pour le mieux. N'importe quoi. Je ne voudrais pas vous voir une nouvelle fois dans cette concession. Surtout toi, ce poisseux et sale mongol. La prochaine fois que tu te pointeras dans cette concession, je vais te verser de l'eau chaude. Espèce de maudit prince. Mais maman, ce n'est pas bien. Regarde. Est-ce que tu vas la fermer? Partez de cette maison. J'ai dit partez de cette concession. Partez. Allons-y, mon prince. Tu as trompé ma fille? N'importe quoi. Allons-y. Allez-vous-en. Anofia. C'est compliqué. Vu que tu ne sais pas où la trouver. Regarde-la. Oh, bébé. Excuse-moi, est-ce que je peux te parler une minute? Qui êtes-vous? On se connaît. Le prince de Dubaï. Hey. Prince de quoi?
le prince de Dubaï. Sharon, c'est moi. De toute façon, laisse-moi. Ah, touche pas. T'es malade. Mais arrête, Sharon. N'importe quoi. Comment oses-tu me toucher? Tu sais combien coûte mon savon? Sharon. Ne refais pas cette bêtise une autre fois. Toi, ne m'appelle pas. Mince. Mince. Allons, allons. Il ose me salir. Mince. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Désolée. Je suis vraiment désolée, ok? Oui. Promise me you'll stay with me. Come what may. Come what may. That is what true love is all about. True love is unconditional. And there is no denial. I truly love you. I hope you feel the same way too. Très joli. Très joli. Merci. Gina. Alors, est-ce que tu me dis à parler à Sharon? Sharon, ne fait même pas que quelqu'un prononce ton nom. C'est-à-dire, elle se met en colère dès qu'on prononce ton nom. Elle est vraiment en colère contre toi. Mais, je n'aime pas blâmer les gens. Mais, dans ce cas particulier, c'est de ta faute. Pourquoi ne lui as-tu pas dit la vérité dès le début? J'avais peur de la perdre. Je l'aime tellement. Et je n'ai pas voulu la perdre. Mais tu l'as toujours perdue. Maintenant, elle est très en colère contre toi. En passant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Es-tu née ainsi? Non. Je ne suis pas mieux comme ça. Je travaillais dans une compagnie d'électricité à Dubaï. Un bon matin, ce malheureux matin, j'ai été électrocuté par une haute tension. J'étais inconscient. Je ne savais même pas où j'étais à ce moment. On m'a amené à l'hôpital. Et j'étais inconscient pendant 3 jours. J'étais dans le coma pendant 3 jours. Ensuite, quand j'ai repris conscience, j'ai réalisé que la vie avait quitté une partie de mon corps. Jai. Genre, je ne pouvais pas ressentir ma main gauche. Je ne pouvais pas sentir mon pied gauche. La moitié de mon corps était paralysée. Jai. Mais je remercie Dieu que je peux toujours marcher. Parce qu'avant, je ne pouvais même pas bouger mon bras. Comme je le bouge maintenant. Et le docteur m'a encore assuré que je vais encore marcher et redevenir normal. Je suivais une thérapie de massage. Mais le processus de guérison était trop long. J'espérais que j'allais bien me porter avant de rentrer au Nigeria. Mais là, Sharon et moi avons déjà fait les préparatifs pour notre mariage et tout le reste. Alors, je ne pouvais pas changer ma date de retour au Nigeria. Alors,
Tu ne devrais pas me blâmer. Je croyais que j'allais bien me porter avant de rentrer au Nigeria. Mais malheureusement, les choses n'ont pas marché comme je voulais. Ton histoire est vraiment triste. Je suis vraiment désolée pour tout ce que tu as traversé. J'ai une suggestion. Je ne sais pas si tu vas l'accepter. J'ai un oncle. Il est herboriste. Et il est spécialisé dans ce genre de cas. Et je crois que si on essaye avec lui, tu redeviendras comme avant. S'il te plaît, essayons. Honnêtement, je ne crois pas à tous ces gens, tous ces herboristes, tous ces guérisseurs traditionnels et tout le reste. Ma sœur m'a-même donné un numéro d'appelé. Ouais, elle m'a mis en contact avec un herboriste. Je l'ai même appelé. Je lui ai dit que j'allais venir, mais là, mon esprit, je me sens si pas reçu d'aller le voir. Mon esprit ne l'a vraiment pas accepté. Tu vois, au moins, ta sœur croit en ces choses. Nous allons juste essayer. Ok, fais-en comme ça. Je vais payer pour la première séance. Comme ça, tu n'auras rien à perdre. Mais je crois fortement que ça va marcher. S'il te plaît, essayons juste. Gina, l'argent n'est pas en fait mon problème. Vu que tu veux payer pour moi, l'argent n'est pas un problème. Même l'entreprise où je travaille, ils prennent toujours soin de moi jusqu'à présent. Ouais, l'assurance. Mais tu sais quoi? Peut-être à cause de toi, je vais un peu essayer. Sans problème. J'irai avec toi. Merci. Je suis sûre que ça marchera. Je l'espère. Alors dis-moi, qu'en est-il de toi? Qu'est-ce qui est arrivé à... C'est une longue histoire. Mais en ce moment, c'est toi la priorité. Nous parlerons de ça plus tard. S'il te plaît. Merci d'être aussi gentil. Il n'y a pas de quoi. Toc, toc. Mon oncle? Mon oncle. Oh, Nyambepe. C'est moi. Ah, moi, baba. Oh, Osarachi. Donc, c'est toi? C'est moi, oh. Hey, ça fait un bail. Comment tu vas? Bien, bonjour, tonton. Sois la bienvenue. Merci, tonton. Bonsoir, monsieur. Prince, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ok, sois le bienvenu. Ah, ah. Tonton, es-tu aussi voyant? Je ne suis pas un voyant, je suis qu'un guérisseur. Comment se fait-il que tu connais son nom? Je ne pense pas que vous vous êtes déjà rencontré. Oh, Sarah, tu es toujours curieuse. Eh bien, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais il m'a appelé au téléphone la semaine dernière. En me disant qu'il viendra me voir. Et j'attendais le voir. Oh! C'est vous que j'ai appelé. Oui, je suis celui que vous avez appelé. Et j'étais reconnu par ta voix. Tu sais que tu as une voix douce et inoffensive. J'étais reconnu par ta voix. Que le monde fait-tu? Ok, tonton. Alors, je sais déjà pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Je sais pourquoi vous êtes ici. Oui. Alors, c'est comme ça que ça va se passer. Hmm? Nous soignons, mais Dieu guérit. Mais il y a une garantie de 100%. Que ça sera victorieux. Amen. Ouais. Alors, tu dois rentrer et te préparer. Et revenir. Il y a une pièce pour vous ici, où tu vas rester jusqu'à ta guérison complète. Ha! Tonton, je n'ai pas besoin de rentrer. Je suis prêt. Je veux juste être guéri. Je ne vois aucune raison pourquoi je dois rentrer et revenir. Okay. Ah. Donc tu es bien préparé. Oui, tonton. Oui, tonton. Nous sommes venus préparer. Ça ne sert à rien de rentrer. Nous pouvons commencer le traitement maintenant. D'accord. En fait, tonton, ce gars ici présent est une personne très importante pour nous. Si tu es capable de le guérir, je te promets que nous allons très bien te récompenser. Nous allons te montrer notre appréciation d'une manière spéciale. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit avant. Nous clétons, mais Dieu guérit. Alors, par la grâce de Dieu, il sera guéri. Maintenant que nous avons été admises, quand nous
nous allons entrer à la fac, on aura ces longues perruques qui arrivent juste. Hey, sais-tu celle que je viens chercher? Je sais. Ils sont bouclés et quand on démêle, ça devient. Hey, regardez-moi cette fille. Non, c'est mais non, je plaisante. Que celle que Sharon porte qui est. Ne fais pas, tu vas lui ressembler. Et je vais marcher comme démarche. Ça. Mais oui, ils vont voir ressortir. Comment je vais. Ils vont voir une fois que j'aurai terminé. Aïe, mon Diego. Lolo Dubaï. Lolo Dubaï, s'il te plaît, quand tu vas arriver à Dubaï, est-ce que tu peux m'acheter cette chaussure que Sharon portait? Moi, je veux une perruque orange, une perruque rose, une perruque violette, tu sais, toutes ces couleurs flashy. Que Sharon a l'habitude de porter. Lolo Dubaï, si tu achètes ça pour moi, je vais t'aimer Lolo International. Lolo International, si tu achètes ces chaussures pour moi, je vais t'aimer. Maman, tu sais déjà, n'est-ce pas? J'aime les perruques très très longues. Quelle couleur? Dis-lui maintenant, non, hein? Orange et le violet. Non, elle va acheter la jaune. C'est ça que Sharon a l'habitude de porter. Tu vas acheter des crêpes, Lolo Dubaï. Suivons-la, elle doit nous acheter quelque chose. Lolo Dubaï, de l'argent, viens nous gâter, non? Kellogg, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Et s'il te plaît, ne sois pas du tout en colère. Si tu veux me parler de ce mot, je pense... Je te conseille d'oublier cela. Arrête de me parler de lui. Je suis fatiguée d'entendre son nom. Ok? Mais Kellogg, tu sais qu'il ne veut que ton bien. Et il t'aime vraiment. Beaucoup. Oh! Je comprends que tu vas le voir derrière moi. T'inquiète. Je sais comment résoudre ça. Tu peux l'avoir. Oui, prends-le. Là, tu vas arrêter de me déranger. Ok? Prends-le! Et je m'en vais passer le week-end chez Jimmy. Donc, on se voit lundi. Bye! Je t'ai apporté à manger. Gina, honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Voici déjà un mois que tu me rends visite. Venir ici avec différents types de délices. Merci beaucoup. Tu es une bonne personne. C'est bon. Il n'y a pas de quoi de toute façon. Sharon me manque vraiment. La façon dont ton cousin me manque. La façon dont on parlait. En fait, tout si elle me manque. Oh, Sharon a tourné les pages. Et tu devrais aussi faire pareil. Tourner la page? Tu veux dire? Sharon a maintenant un autre homme dans sa vie? Mon prince, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu devrais plus te concentrer sur ta guérison. Un mois pour ton propre bien, et pour moi également. S'il te plaît. Sharon! Pourquoi le prof t'a-t-il sorti de sa classe? Parce que je n'ai pas pu acheter son bord. Quoi d'autre? Et pourquoi tu n'as pas acheté son bord? Tu vas bien? Ne vis-tu pas dans cette maison avec moi? Sharon! Je sais bien que tous ces jours, je partais à l'école de chez mon oncle. Alors, comment suis-je censé savoir ce que tu as? Ok, pour ton information, je suis fauchée, très fauchée. Et ma mère ne va pas du tout bien. L'argent que j'avais sur moi, je le lui ai envoyé.
et je me débrouille juste ces derniers temps. Ah, c'est incroyable. Qu'en est-il de ton copain Jimmy? Ne peut-il pas t'aider? Celui-là? Cet idiot qui m'a menti qu'il était riche? Ha! Jusqu'à ce que je découvre que la voiture avec laquelle il se pavanait à l'école était pour son ami. J'ai rompu avec lui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois. Voici 20 000. S'il te plaît, essaye de te débrouiller avec. Utilise 1500 pour le bord. Et utilise le reste pour les provisions de la maison et ce dont tu auras besoin. Dina? Non. Est-ce que je rêve? Toi? Toi qui ne m'as jamais donné plus de 500 naira avant. Maintenant, tu me donnes une somme de 20 000 naira? Dis-moi, s'il te plaît, d'où sortent ces 20 000 naira? Parce que je vais pas les prendre, hein? Copine, vas-tu prendre cet argent ou pas? Oh, ok, je vais les prendre. Mais dis-moi. Oh! De toutes les façons, arrête de te stresser. Détends-toi juste, tu iras bien, ok? Je vais juste aller me changer, d'accord? Colo, colo. Mais... Colo. Mais un sourire sur ce visage, s'il te plaît. Hé! Hey, c'est toi qui m'as donné ça? Attends, colo. Tu m'as choqué, oh! C'est toi qui m'as donné ceci, oh! Tu vois pourquoi je t'aime? Comment peut-elle me devoir de l'argent et conduire une voiture? Monsieur le bailleur, bonsoir. Es-tu certaine que c'est un bonsoir? C'est bien toi qui m'as dit que lorsque ton mari de Dubaï reviendra, tu me rembourseras mon argent. Que se passe-t-il? Ouais, donne-moi mon argent. Oui, monsieur le bailleur, je suis très désolée. C'est juste que je traverse des moments difficiles ces derniers temps. Mais, dès que j'ai l'argent, je vous paye. Quand tu auras, tu ne te fatigues donc pas de faire des promesses? Oui, monsieur le bailleur. Juste que, je ne veux pas promettre pour vous décevoir encore. Écoute, voici de l'argent. Vends ça et remets-moi mon argent immédiatement. Après tout, tu es en dernière année. Tu seras bientôt diplômé, tu auras un travail et tu en achèteras une autre. Je reviendrai dans 2 semaines. Et je ne reviendrai pas seul. Mes hommes m'aideront à jeter tes affaires hors de ma maison. Tu ne diras pas que je ne t'ai pas prévenu. Hé, hey, monsieur le bailleur, s'il vous plaît. Monsieur le bailleur. Hé hey. Bailleur a bien raison. J'ai ma scolarité à payer. Mes bords et livres d'exercice. Je dois manger. Donc, les activités de fin d'année vont bientôt commencer. Aussi mal que ça pourrait avoir l'air, je dois vendre ma voiture, mon téléphone, pour avoir suffisamment d'argent pour résoudre tous ces problèmes. J'aime la voiture et je suis prêt à payer ce dont nous avons parlé au téléphone. Ah, monsieur, merci vraiment. De tous les endroits où je suis allée, vous êtes le seul qui a essayé de bien payer la voiture. Mais je vous prie d'ajouter quelque chose, s'il vous plaît, n'importe combien, pour que je récupère au moins, s'il vous plaît. Ah, j'aurais aimé t'aider un peu plus. Mais tu sais, j'achète pour revendre et il faut bien que je fasse du profit. Ok, monsieur, pas de problème. Vous pouvez faire le transfert. Permettez-moi de vous donner les détails. Ok, donnez-moi votre numéro de compte pour que je puisse effectuer le transfert. La victoire est déjà la nôtre, je te l'ai dit. Vas-y doucement. Désolé, désolé.
Doucement. Désolé. Tout ira très bien bientôt. Désolé. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. La victoire est déjà de notre côté. Désolé. Ne t'inquiète pas, je le fais doucement. Je veux que tu te portes bien. Désolé. Ne t'en fais pas. Ouais, tout ira bien. Comment ça se passe? Il va bien. Ne t'en fais pas. Tout ira bien. Je te l'ai dit. Désolé. Si je ne le fais pas comme ça, les choses ne marcheront pas. Désolé. Désolé. C'est bon, tout ira bien. Ça va. Tout ira bien. Tonton, ça suffit, c'est bon. Tout ira bien. À 100%. Avant 2 jours, tu partiras d'ici. Tu partiras. Désolé. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas inquiet. Désolé. Je t'ai dit que tu allais bien te porter. Tu es un homme. Ça ira. Tu es vraiment un homme. Ça ira. Et désolé. Tu vois, avant 2 jours, tu partiras d'ici. Tu vas bien guérir. Qu'est-ce que c'est? Le bar que tu as demandé. Ça va aller. Voilà, oncle. Qu'en est-il de l'argent de bourse que j'ai mangé? Est-ce qu'il en reste encore? Oui, il y en a encore. Je vais t'en servir un peu. Ok. Tu n'as pas besoin de stresser pour ça. Hein? Je vais d'abord la manger. Tonton, j'en veux aussi. Je veux aussi de l'argent de bourse. Ne t'en fais pas, je vais apporter pour vous deux. Et je vais en manger aussi. Ouais, merci. Allez, vas-y, mange. Merci. Ne vous en faites pas. Je l'ai fait moi-même. Tu aimes? C'est bon. Très délicieux. Merci. Attends, non, je finis ça. Ok, désolée. Vas-y. Ma fille, où est ta voiture? Pourquoi est-ce que tu marches? Ne me dis pas que ce mongol t'a repris ta voiture. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma fille. Viens là. Ada, dis-moi la vérité. Où est ta voiture? J'ai vendu la voiture. Tu as fait quoi? Pourquoi l'as-tu vendue? J'avais pas de choix, maman. Mon bailleur était sur le point de me faire sortir. Je n'avais plus de sous, j'étais fauchée. Mon professeur m'a mise dehors pour un bord. Et voici le nouveau semestre où je devais payer ma pension. Maman, il y a tellement de charges. C'est du sérieux. Ça va aller. Ah, regardez notre cousine classe. Mais oui,
notre cousine qui a un mari à Dubaï et qui nous a traités de sans classe. Je suis vraiment désolée. En vérité. Oh. Je suis vraiment désolée. Oh. Je vous en touche. Prie, pardonnez-moi. Hein? Te pardonner? Grosse blague. S'il vous plaît, laissez cette fille sans classe. Allons-y. Attendez. Attendez un peu. Pardonnons-lui. Il est toujours notre ami. Pardonnons-lui, s'il vous plaît. On lui pardonne. Pardon, on lui pardonne. On y va. Sharon, nous t'avons pardonné. Mais je voudrais quand même demander. J'ai appris que tu as vendu ta voiture, que ton prince charmant de Dubaï t'avait acheté. Mais pourquoi non? Elle était aussi mauvaise. Elle était si mauvaise. Ma chère, elle marche. Donc tu marches. Donc désolée. Tu peux marcher. Elle marche. Hey! J'ai vraiment mal pour toi, désolée. Incroyable. Cette vie, hein. Allons-y. Honnêtement, je suis content. Tu récupères vraiment très très rapidement. Ça, c'est vraiment très bien. Ce vieil homme est incroyable. Regarde. Ton pied va maintenant bien, peux-tu le croire? Même ton bras, tout est comme de la magie. Ce vieil homme fait vraiment de son mieux. Hey, je suis tellement excité. Christ. Ouais. Je ne pense même pas à ma guérison. Mon esprit est ailleurs. Et où est ton esprit? Dis-moi. Honnêtement, cette fille, Gina, elle est envoyée par Dieu. Ouais. Dina est une envoyée de Dieu, vraiment. Et en parlant de Dina, avec ce que je vois, je pense que cette fille est en train de tomber amoureuse de toi. Moi aussi. Que veux-tu dire par toi aussi? Je ne comprends pas. Chris. Ouais. Je suis peu à peu tombé amoureux de Gina. Quoi? Promise me you'll be there for me through thick and thin, through thick and thin. Ah, bébé, mais tu vas bien? Ça va, bienvenue. Merci. Je n'ai pas vu ta voiture d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vendue avec d'autres choses. Ah, mais pourquoi? J'avais pas autre choix que de la vendre. Que je puisse me prendre en charge. Je veux avoir mon diplôme dans cette école paisiblement. Je dois payer ma pension, mes bords, mes livres, les documents. La liste est tellement longue. Et même le bailleur me tient au cou. Le bailleur? Sharon! Tu veux dire que tu n'as pas payé le loyer, même après t'avoir donné ma part, il y a le cela 4 mois. Oui, je l'ai utilisé pour réparer la voiture. Mais t'inquiète, c'est pas un problème parce que je vais payer le loyer demain. Oh. Incroyable! I love you.
Je peux même jouer au foot. Waouh, c'est merveilleux. Ah, je suis tellement contente pour toi. Merci. Je t'ai apporté à manger. Merci beaucoup. Allons-y. Waouh. Laisse-moi le prendre. Tu peux? Allons-y, non? Ça, c'est... Oh, infirmière, où es-tu? Infirmière, où es-tu? Oh, Omo. Ah. Lolo Dubaï. Ah. La seule et unique Lolo Dubaï. Oh, mais Biko, ce n'est plus ça. C'était avant cette appellation, ok? S'il te plaît, hein, appelle-moi maman Ada. Je ne suis plus Lolo Dubaï. Oh. Biko, c'était avant, pas maintenant. Ok. Infirmière. Biko, moi, la nuit dernière, je n'ai pas dormi. Hein? Mes deux yeux étaient grandement ouverts jusqu'à ce matin. J'avais des maux de tête. Maux de tête. Ça me faisait mal. Biko, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je veux que tu me donnes des médicaments contre la tension. S'il te plaît, je vais te payer. Je te payerai plus tard. Oh. Lolo. Tu sais que la dernière fois que tu as acheté, tu n'as pas fini. Et maintenant, tu reviens me demander encore. Ah, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Infirmière, je sais que je te dois beaucoup. Je vais tout payer, Biko. Juste pour que je dorme cette nuit. Biko, moi, s'il te plaît. Je sais pourquoi je te donne ça, oh. Je sais pourquoi je te donne. Je reviens. Maman, merci, oh. Da, oh, gabalodi, oh. Ah. Da chiche akomo.
Taikishi, na bomo, boum, 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 boum. Tonton, ça c'est pour toi. Hey. Mon cher, tu as fait une erreur. Mon paiement est de 250 000 naira. Mais vous avez cru ici 1 250 000 naira. Hé, hey, tonton, je suis au courant de ça. Hein? Le 1 million de naira supplémentaire est pour toi. Pour le travail bien fait. Hey. Tonton, honnêtement, tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi. Je suis vraiment content. Merci beaucoup, j'ai tonton. J'ai envie de m'évanouir. Je n'arrive pas vraiment à comprendre. 1 million de naira pour moi, supplémentaire. Mon oncle, pas besoin de t'évanouir. Tu as travaillé dur pour cet argent. En fait, tu le mérites. J'apprécie vraiment, tonton. Merci. C'est moi qui dois te remercier, pas le contraire. Non, n'y va pas. Est-ce que tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici? Je t'ai dit que si tu étais capable de le guérir, nous allions te montrer notre appréciation d'une grande manière. Oui, je m'en souviens. Bien, ça c'est juste une petite façon de dire merci pour un travail bien fait. Hein? En fait, à partir d'aujourd'hui, nous sommes une grande famille. Nous allons être là pour toi, toujours. Oui, tonton. Hey. Tu as beaucoup fait pour nous, hein? Hey. Ouais. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Hey. Nous devons partir maintenant. Merci beaucoup, okay. Merci, tonton. Je suis reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je peux conduire. Laisse-moi conduire au moins. Merci, tu penses vraiment Seigneur. Que tu peux? 1 million de je le pense. Ah, Gina. Ah, alors j'ai fini de cuisiner. Je t'ai fait assez de sauce et de soupe. Comme ça, tu pourras manger quand tu auras faim. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Honnêtement, je te remercie vraiment pour tout ce que tu as fait pour moi. Il n'y a pas de quoi. Il faut que je rentre maintenant. Gina, attends. Comme tu peux le voir, je suis le seul ici. Et parfois, cet endroit est souvent ennuyeux pour moi. Alors, je veux te demander, pourquoi ne pas rester avec moi? Peut-être rester un jour, deux jours, trois jours, des semaines, des mois, c'est selon tout ce qui te rendra à l'aise. Même si j'aimerais bien, mais... Chut! S'il te plaît, ne dis pas non. Je t'en supplie. Il faut que j'aille quand même dans ma cité pour prendre quelques affaires et informer ma coloc. Ok, il n'y a pas de problème avec ça. Promets-moi que tu vas revenir. Je vais revenir. Merci. Ok, laisse-moi te raccompagner. D'accord. Ah, Coloc, bienvenue. Merci. Puce, je vois comment tu emballes tes effets. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voyages? Oui, et je pourrais rester plus d'une semaine. Wow. Ma coloc est finalement tombée amoureuse de quelqu'un. Oui, et tu m'as bien caché cela. Wow, je suis si contente pour toi. Allez, donne-moi 5. Wow. Coloc. Oui? Il y a quelque chose qui me dérange et j'aimerais vraiment t'en parler. Allez, coloc. T'as été ma colocataire pour presque 3 ans maintenant. Et je t'ai prise comme ma propre sœur. Alors, s'il te plaît, dis-moi. Parce que ce qui te tient à cœur me tiendra à cœur. Sens-toi libre et parle-moi. Parle-moi, vas-y. Ok.
Je suis contente d'entendre ça. Il s'agit de... ton prince. Oh non, non! Arrête juste. Arrête. Si tu veux parler de ce laid imbécile, alors oublie parce que je suis pas intéressée. Quoi? Je pensais même que tu voulais me parler d'autre chose. Non, si tu n'as rien d'autre à dire, alors oublie. Oublie cela. Ne m'en... Non, n'essaye pas. Ne me pousse pas à bout. N'essaye pas, ok? Je vais plus écouter. Quoi? Quel laid prince? Desibiaga Pony. Tu me parles de prince. Prince où? I love you dearly. Love you so dearly. For the things I say and do. You'll see it clearly. You say you love me. I hope that it is true. Because if you don't, I won't know what to do. You mean the world to me. Oh, you are everything to me. You are my world. Oh, oh, you are my all, my all. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, ok, oui, je t'aime, mais j'ai l'impression de trahir mon ami. Trahir ta coloc? Oui. Ta coloc qui m'a abandonné? Ta collègue qui m'a insulté et humilié? Gina, tu étais la même personne qui m'a dit de tourner la page. Tu m'as demandé de tourner la page parce que ta collègue avait déjà tourné la page. Et maintenant que je veux tourner la page, tu refuses que je le fasse. Pourquoi? Ok, bien. Je ne vais pas te déranger.
stay with me. Come what may, come what may. That is what true love is all about. True love is unconditional. And there is no denial. I truly love you. I hope you feel the same way too. Allô, Gina? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui fait que tu me réveilles à 7 heures de la nuit? C'est quoi le problème? Est-ce que ça va? Il y a quelque chose dont j'aimerais parler avec toi et qui me dérange pour éviter de commettre une erreur. Ok. De quoi s'agit-il? Hein? Qui fait en sorte que tu ne dormes pas? Il s'agit de ton prince charmant. S'il te plaît, ne redis plus cela. Tu vas bien? Mais qu'est-ce qu'il y a? Quel prince charmant? Si je peux me permettre, s'il te plaît, retiens ça avec toi. Ok? Si tu peux me réveiller juste pour me parler de ce mongol imbécile. Alors tu dois être stupide et malade. Eh oui! S'il te plaît, calme-toi et écoute-moi. Je suis pas intéressée à quoi que ce soit qui ait trait avec ce mongol imbécile. Je suis pas intéressée. Prends-le juste. Quel est ton problème? Hein? Si tu veux me parler de ce prince, alors oublie. S'il te plaît, pour la dernière fois, si t'es vraiment intéressée par ce lait machin, alors vas-y avec lui. Oui, vas-y avec lui, comme ça tu me colleras la paix. Ne me mentionne même plus son nom, hein? N'essaie plus cette idiotie avec moi. Je t'avertis pour la dernière fois. N'ose plus. Si c'est pour ça que tu m'as appelé, alors bonne nuit. N'importe quoi. Tout le temps, prince charmant, j'en ai terminé avec lui. Anna Soumou, prince charmant, qui est-ce qu'il charme? I love you dearly, love you so dearly, all the things I say and do. You see it clearly, you say you love me. I hope that it is true, because if you don't, I won't know what to do. You mean the world to me. Oh, you are everything to me. T'inquiète pas, maman. Tu iras bien au plus vite.
Je suis allée chez l'oncle Adibé pour le voir. Il a dit qu'il allait faire quelque chose. Maman, je veux juste que tu gardes la foi et croire que Dieu le fera pour nous. Ok, tu vas recouvrer ta santé. Oh, Jeanne, t'es déjà là? Oui, je suis là. Bienvenue. Comment va, maman? Jeanne, Fogoden, regarde ma mère. Je ne sais même pas quoi dire. Je manque quoi dire. Jeanne, maman. Merci d'être venue. Oh. Maman, c'est rien. Et merci de veiller sur ma fille et moi. Après tout ce qu'on t'a fait, que Dieu te bénisse. Amen, maman. Mais maman, ça c'est du passé. C'est ma cousine et tu es ma tante aussi. De combien a-t-on besoin pour son opération? Jean, la somme qu'on demande est énorme. Combien? Le docteur a demandé 2 millions de naira. Nous n'avons même pas juste 100 000 naira. Mais l'oncle Adibé a dit qu'il fera quelque chose. Oui, il a promis de faire quelque chose. Donc, j'attends juste et je crois qu'il va le faire maintenant et rapidement. Il a promis de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il en est de ton prince de Dubaï? Je sais que maman et toi l'avez profondément blessé. Mais je suis sûre que si tu lui demandes pardon, il va t'assister. Rappelle-toi qu'il t'aimait vraiment. Non, 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 non. Ne m'en parle pas. Pas après ce que nous lui avons fait. Je peux même pas le regarder. Je peux pas. Donc, s'il te plaît, pense à autre chose. Essaye, s'il te plaît. Juste fais ça pour maman. Adonné. Adonné. Maman. Je pense que Jean a raison. Il n'y a pas de mal à essayer. S'il te plaît, essaye. Je ne veux pas mourir. Maman, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Ok, maman. Ou tu peux m'emmener avec toi. Je peux partir. Et lui demander pardon. Maman, t'inquiète pas, j'ai compris, d'accord. Je n'ai même plus son numéro, je l'ai supprimé. Ah. Ok. Et toi alors? Tu l'as encore son numéro? Je l'ai également supprimé. Ah. Ok, je crois que je sais ce qu'il faut faire. Je vais parler à ma cochambrière, Gina. Ou probablement j'irai la voir. Je pense qu'elle peut encore avoir son numéro. Dieu merci. Maman, désolée, ok? Désolée pour ça, maman. Sharon, s'il te plaît, prends cette nourriture. Je l'ai apportée pour elle. Merci. Il faut qu'elle mange quelque chose pour son estomac. Ok. Maman, elle t'a apporté à manger. Hein? Je vais te faire manger après. Ok. Que j'appelle Gina. Alors, Kalak. Kalak. Copine, est-ce que c'est comme ça qu'on oublie les gens? Comment va maman? Ah, vraiment? Je suis vraiment désolée. Oh, quand? Demain?
Ok, c'est bien. Je vais t'envoyer l'adresse. Ok, Kalok. D'accord, on fait comme ça. Bye. Je vais pas rappeler ma patronne. Madame. Madame. Oh. Madame, elle vous cherche. Ma copine. Ah. T'es enceinte? Oui, Coloc. Bienvenue. Merci. Je suis si contente de te voir. Tu peux t'asseoir. Merci. Oh, Colette, le chez toi est si beau. Merci. Hey, je suis si fière pour toi. Waouh. Dieu l'a fait pour toi comme de la blague, hein? Merci, hey. Kalok. J'espère que tu vas bien. Oui. Gina? Je suis désolée de n'avoir pas pu être à ton mariage. En vérité, c'était à cause de l'état de santé de ma mère. C'est pour cette raison que je suis là. Ah, Kalok, c'est bon, je comprends. Alors, comment va maman? Ma mère... Sa condition devient pire. Elle a le cancer de la gorge. Jésus! Le docteur a dit qu'il faut 2 millions de naira pour son opération. Gina, j'ai vendu tout ce que j'avais juste pour que ma mère se porte bien. En ce moment, je n'ai plus rien du tout. S'il te plaît, je ne sais pas si tu peux encore avoir le numéro du prince. Je veux lui parler. Ma mère risque de mourir. J'ai besoin d'aide. Elle peut mourir. Kalok, ça suffit. Tu arrête juste de pleurer. S'il te plaît. S'il te plaît, arrête de pleurer, ok? Ok. Tu sais, ce n'est pas nécessaire. Je vais t'aider. Je vais te donner l'argent. Je vais te donner l'argent, mais tout d'abord, je vais appeler mon mari pour son consentement. Tu vas me donner l'argent? Oui, oui. Donne-moi juste une minute, je vais appeler mon mari. S'il te plaît, arrête de pleurer. Salut, bébé. Non, je vais bien, ça va. Et toi, ça va? Ok, non, aucun problème. Mais bébé, ma meilleure amie est là et... Elle a un problème, sa mère est malade. Et elle a besoin d'argent pour son traitement. Oui, bébé, elle est ma meilleure amie. Oui, bébé, je veux vraiment l'aider. Oh, ok, bébé, merci beaucoup. Oui. Oh, tu es en train de rentrer? Ok, bébé, à bientôt. Je t'aime. Bye. Et donc, il a accepté que je te donne de l'argent. Juste comme ça? Oui, Kalok. Donc, tu me donnes les 2 millions? Bien sûr, Kalok. Oh, tu lui as bien dit de combien il s'agissait? Kalok,
D'ailleurs, ce n'est pas important. La chose la plus importante maintenant, c'est que tu amènes ta mère à l'hôpital. Tu sais que ta mère est comme ma mère. Alors, s'il te plaît, arrête de pleurer et essuie ses larmes, hey. S'il te plaît. Laisse-moi prendre mon chéquier. Coloc, merci infiniment. Merci. Il n'y a pas de quoi. Hey. Pas de soucis. Ah, merci. Écoute, Dieu vous bénira, toi et ton mari. Amen. Aucun malheur n'approchera votre maison. Amen. Hey, Coloc. Plus tu sais pas ce que tu as fait pour moi. Merci. Je suis reconnaissante, merci. C'est rien. Je dois prendre la route, mais non. D'accord. Bye bye. Ah, Coloc, voici mon mari, l'amour de ma vie. Donc quoi? Mon mari. Bébé, bienvenue. Bienvenue. L'appel que tu as passé, l'argent dont tu parlais, c'était pour elle? Oui. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi et écoute-le d'abord. Non, non, non. En quoi puis-je vous aider? Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Je suis ici pour te voir. Écoute-moi, moins. Tu sais que je ne peux rien faire sans toi et je t'aime tellement. Tu peux juste la fermer? Arrête de m'aimer. Et s'il te plaît, t'es vraiment en train de m'agacer. Je ne supporte plus cela. Oui, je ne supporte plus cela. Arrête de m'agacer, ok? Et toi, parle à ton frère ou à ton ami. Peu importe qui il est, parle-lui. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi d'abord, s'il te plaît. Parle-lui, arrête de me déranger. La prochaine fois, je vais te briser la tête. Je vais te briser la tête. Écoute-le d'abord. N'importe quoi, il vient me parler. Excuse-moi, je peux te parler une minute? Qui êtes-vous? On se connaît? Le prince de Dubaï. Prince de quoi? Le prince de Dubaï. Sharon, c'est moi, ne fais pas ça, laisse-moi. Ah, ne touche pas! T'es malade? Mais non, Sharon. Quelle stupide! Comment oses-tu me toucher? Tu sais combien coûte mon savon? Sharon. Hé, n'ose pas refaire cette bêtise. Toi, ne m'appelle pas. Mince! Allons-y. Il ose me toucher le corps. Mince. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, ok? Désolée. N'importe quoi. Je ne voudrais pas vous voir une nouvelle fois dans cette concession. Surtout toi, ce poisseux et sale mongol. La prochaine fois que tu te pointeras dans cette concession, je vais te verser de l'eau chaude. Espèce de maudit prince. Mais maman, ce n'est pas bien. Est-ce que tu vas la fermer? Partez de cette maison. J'ai dit partez de cette concession. Partez! Allons-y, mon prince. Tu as trompé ma fille? N'importe quoi. Monsieur. Mon chèque. Monsieur. Mon chèque. S'il vous plaît. S'il te plaît. Ma mère va mourir. Ma mère va... Chérie. Ah, ma mère est en train de mourir. Ma mère va mourir, aidez-moi.
Chérie. Bébé. Rufus! Ma mère va mourir, s'il te plaît. Rufus! Oui, monsieur. Montre-lui la sortie immédiatement. Je t'en prie. Maintenant, montre-lui le chemin. Allez, madame, s'il vous plaît, partez. Allez-vous-en, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne veux pas vous forcer. Allez-y, allez-vous-en. Je vais partir. Madame, partez, allez-y, allez-y. Partez avant que mon patron ne me vire. Mais allez-y. Je vais partir. Laisse-moi saluer. Madame, allez-y, allez-y. Je vais le supplier plus tard. Allez-y d'abord. Madame, allez-y, je ne veux pas vous pousser. Bébé, ce n'était pas du tout juste. C'est pour cette raison que tu ne m'as pas dit par téléphone que c'était pour elle. Bébé, j'étais juste. Je suis désolée de ne pas t'avoir dit au téléphone que c'était elle. J'attendais juste que tu rentres à la maison pour qu'on puisse parler de ça. Je savais que si je t'avais dit que c'est elle, j'allais dire non. Bébé, s'il te plaît, sa mère est vraiment malade. Et n'oublie pas que Sharon, elle a payé ma pension quand j'étais à l'école. Elle y a acheté la plupart de mes livres. Et elle partagea le peu qu'elle avait avec moi, s'il te plaît, bébé. Et c'était en fait mon argent qu'elle a dépensé sur toi. Ah. As-tu oublié cela? Bébé, il faut quelqu'un qui a un bon cœur pour partager le peu qu'elle a. Sharon a partagé tout ce qu'elle avait avec moi. Et sa mère, depuis que j'ai perdu mes parents, sa mère a été comme ma propre mère. Elle m'a nourri quand j'étais à l'école. Bébé, s'il te plaît, je t'essaye de comprendre. S'il te plaît, au moins fais-le pour sa mère. S'il te plaît. You say you love me. I hope that it is true. Because if you don't, I won't know what to do. You mean the world to me. Donc tu veux dire que ton prince charmant est maintenant en santé? Et Dina, ta coloc, est maintenant sa femme? Et elle est même enceinte de lui. Hey! Vraiment, on aura tout vu. Ah! Ta propre coloc. Tout est de ma faute. Pour l'avoir rejetée. Va-t-il un jour me pardonner? Va-t-il un jour nous pardonner? J'aurais dû écouter ma coloc. J'aurais dû. Ça va aller. Ça va aller. Tu as vu son bras, il n'est plus plié. Hé, hey, il ressemble au prince. Regarde, regarde c'est derrière, tu as... c'est lui. Comment va maman? Ma mère va mal. Elle meurt à petit feu. Et... Maman ne va pas mourir. Rien n'arrivera à maman, ok? Amen. Tiens. Voici 4 millions de naira. Utilise-les et amène maman à l'hôpital. Et utilise le reste d'argent pour commencer un business pour elle. Ne t'en fais pas, tout ira bien.
Merci. Ce prince est incroyable. Waouh. Mon prince. Merci de m'avoir aidé avec ma fille. Tu as vraiment un grand cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Merci, mon enfant. Ouais, c'est bon, maman. Rien ne t'arrivera, ok? Merci. Bébé, allons-y. Un instant. Je suis doucement. Je suis si désolée. Ma mère et moi t'avons rejeté à cause de ta condition physique. Et c'est toi qui es là pour secourir la même personne qui t'a humiliée à cause de ta condition. Je suis honte de moi-même. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour nous pardonner. Tu es une bénédiction pour nous. Si je suis diplômée aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je suis si désolée, je suis désolée. Pardonne-nous, s'il te plaît, nous sommes désolés. S'il te plaît, pardonne-nous. Ça suffit, ça suffit. C'est bon. Pardon. Sharon, s'il te plaît, arrête de pleurer. La vérité est que... te rencontrer était en fait une bénédiction pour moi. Parce que c'est grâce à toi que je suis rentré au Nigeria. C'est aussi grâce à toi que j'ai obtenu ma guérison. Et c'était en fait à travers toi que j'ai rencontré ma sublime femme. Donc j'ai plusieurs raisons de t'apprécier. Alors c'est moi qui devrais te remercier. Merci beaucoup. En fait, tu as vraiment embelli mon avenir. Merci, Sharon. Bébé, allons-y. Ça ira, Sharon. Je viendrai te voir de temps en temps, ok? Merci. Juste comme ça. Une grosse somme. Sharon, regarde. Regarde, c'est 4 millions. Hey, fais voir. C'est 4 millions de Naira. Sharon, autant d'argent. Arrête de pleurer, ça suffit. Sharon, ça suffit. Arrête de pleurer, c'est bon. Hein? Sharon, arrête de pleurer. Ne pleure plus. Hein? Tout ira bien maintenant. Ça va aller. C'est bon. Ta mère ira bien. Ne pleure plus, Sharon. Ça va aller. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.
I love you.